élections, il y aura du sang et des flammes. Toi, tu veux violer la constitution, exterminer les populations, lâcher les chiens sur nos enfants, sur nos mères, sur nos pères, et tu crois qu'on va te laisser faire. Non, t'es pas Dieu, t'es pas notre maître. C'est que tu vas apprendre à nous connaître. Pas besoin de conseiller ni de fétiche. Regarde sur les réseaux sociaux comment on t'insulte. C'est pour tes oreilles ont entendu. Tout est vrai, même si pour tes yeux ont vu. À mon avis, t'as déjà tout perdu pour contre tes départ. Et tu nous en mets plein la vue. Ta politique, c'est quoi, à part l'exhibition. Et ta tête et toi, tu devrais faire attention. Bon dimanche, veuillez partager le live, s'il vous plaît, merci. Merci, mon cher peuple. On partage dans les groupes partout, partout. Je suis même plus obligée de vous dire ça. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait. Ça suffit comme ça. Si tu restes au palais, tant pis pour toi. Chris Doel, tu veux déjà participer, pourquoi? Si tu restes au palais, tant pis pour toi. Où est Badecon? Ah ah. Il doit être dimanche. Pourquoi tu le cherches? Sangara, là j'ai pas le temps de te bloquer. Donc malgré que tu fais tes petits défaitistes là, comme tu as le pouvoir de donner les gens la richesse et le pouvoir d'appeler les gens de venir s'abonner. Fils Sangara, Sangara, comme tu as le pouvoir de donner les gens la richesse, moi je demande juste que les gens viennent m'écouter. Est-ce que tu peux avoir ce pouvoir d'amener les gens de venir m'écouter? Et de venir convertir mes âmes ici. Oh. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, on partage. Quand je vais appeler, on partage. Deuxième étape. Hier, j'étais dans un état de... Tu vas directement rentrer normal parce que je n'ai pas pu faire avec le logiciel. Je n'ai pas renouvelé l'abonnement. Tu sais que c'est 27€ par mois, là. Je n'ai pas renouvelé l'abonnement. Et j'aime pas voir le logo à côté, là. Donc, tu peux venir directement sur un live. Donc, maman, la ceinture est tombée, c'est pas grave. bonjour, chers tous, bonjour. Donc, hier, j'étais vraiment dans une colère, bon, pas vraiment une colère en tant que telle, oui, énervée, à la vue de tout cet argent que nous avons pu remarquer hier, que nous avons vu hier, nous avons constaté hier. Donc, j'ai fait ma sortie hier, comme toujours, quand j'ai les nerfs énervés. j'ai tendance à sortir exprimer mes colères. Moi, je ne contrôle pas comme certaines fermes. Non. Moi, j'exprime mes colères comme un enfant du pays, comme un citoyen normal, à ma manière. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va essayer de parler maintenant calmement. Les personnes qui voudront participer, qui voudront intervenir, on peut bien sûr avoir un débat contradictoire. Vous avez bien sûr le numéro de téléphone sur... la légende de cette vidéo, vous pouvez intervenir à tout moment, mais au moment venu, s'il vous plaît. Parce que vous là, je ne remets pas encore commencé. Il y a déjà Brice qui veut déjà participer et c'est pas bon. Donc, commencez déjà à partager notre vidéo. Je serai peut-être accompagné avec ma chère consoeur résistante activiste, Madame Gray Geno, et peut-être avec d'autres personnes qui voudront participer. J'aurais pu faire ça sur truc. Mais il faut payer les logiciels là. Et puis je paye le logiciel pour faire les vidéos rarement sur le logiciel. Donc du coup ça m'énerve à chaque fois. Donc du coup je n'ai pas pu renouveler l'abonnement. Et puis voilà. Donc j'ai encore fait le tour, j'ai encore lu, j'ai encore écouté, j'ai encore regardé les vidéos, on m'a encore tagué dans beaucoup de posts, je sais pas comment on dit ça. Et je sors, hein, j'en sors un peu triste à chaque publication, à chacune de vos publications de contestation de compatriotes.
Je peux bien comprendre, nous sommes dans un pays soi-disant démocrate où nous ne sommes pas obligés d'avoir la même position, nous ne sommes pas tous obligés d'avoir les mêmes avis ou les mêmes, voilà, les mêmes points de, même point de vue. Voilà. Mais en ce qui concerne les hommes politiques, j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre nous, beaucoup de Gabonais, moi je vais m'enlever parce que je ne m'y retrouve pas à vos comportements, beaucoup de Gabonais ont la mémoire courte, beaucoup de Gabonais ont la mémoire sélective. Et donc ces personnes-là sélectionnent qui sont des bons et des mauvais voleurs, qui sont des bons et des mauvais opposants ou des bons et des mauvais PDGistes. Et c'est suite à ce constat que moi aujourd'hui je reviens étape 2, voilà, deuxième vidéo, je vais me permettre encore de faire cette vidéo là, peut-être la compatriote va me rejoindre au fur et à mesure de ma vidéo, je sais pas celle-là, pour essayer d'expliquer un peu les Gabonais comment nous pouvons nous-mêmes aussi s'entretuer, comment nos idées peuvent tuer même la nation. Moi je pense que ce sont nos idées qui nous tuent, voilà. Bien. Pour les personnes qui vont découvrir ma page pour la première fois, je suis Claire Newman, activiste gabonaise. On m'appelle maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangé, bouche percée, l'idiote de la nation. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je sais que tout le monde m'appelle idiote, bête, tout cela, mais c'est parce que je suis idiote qu'ils viennent toujours écouter l'idiote. Parce que l'idiote dit les choses sensées. Parce que l'idiote ne prend pas les gants, ne porte pas les gants pour dire les choses. Elle dit ce qu'elle pense, comme elle le veut, comme elle entend. Vous avez entendu? La démocratie au niveau. Eh bien, dis donc. Bien. Alors, j'ai relevé les arguments de certains. Et c'est sur ces arguments-là que je vais essayer, qu'on va essayer, vous et moi, d'en débattre. Ok, la gang, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai relevé quelques éléments. Donc, il y a Madame Greg Geno qui va me rejoindre dans 20 minutes, pourvu que, voilà, je retarde un peu le truc. Dans ces éléments-là, le premier élément que j'ai relevé ici, c'était les personnes qui disent, donc je vais d'abord vous citer à peu près les 10 éléments que j'ai relevés, les personnes qui disent que c'est son argent. Voilà. C'est son argent. Ce moment, ce premier point m'a beaucoup irrité. Donc, ce premier point-là, nous allons en parler et je vais vous donner la parole. Après, j'ai relevé le deuxième élément qui est, il a beaucoup travaillé pendant plus de 19 ans. C'est normal c'est normal qu'il puisse avoir avec lui autant de milliards parce qu'il a travaillé plus de 19 ans. Ça, c'est le deuxième élément. Bien sûr, il peut répondre aussi le premier argument qui était c'est son argent. Le deuxième, c'est qu'il a travaillé pendant 19 ans. J'ai encore relevé troisième argument qui était il a été piégé. Voilà. Qu'il a été piégé par le PDG. Là encore, nous allons argumenter. Vous allez peut-être nous amener des preuves parce que moi, je ne vois pas de... Mais bon, ce sont des éléments que j'ai relevés qui vont faire en sorte que nous allons tenir ce live-ci. D'accord? On va essayer, je vais vraiment essayer de faire ce live comme une personne civilisée. Parce que moi, je ne suis pas civilisée. Vous savez que je suis sauvage, que j'ai grandi au village. Donc, je ne suis pas, je ne suis en aucun cas civilisée. Donc, je vais essayer, vous et moi, hein, d'animer ce live avec un état d'esprit d'une personne soi-disant civilisée. Parce que moi, je suis une péteuse de câbles. Et lorsque moi, mes câbles sont pétés, je ne réfléchis pas. Je parle bête et je parle comme une bêtarde. Bon, bref. Quatrième élément. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'il a l'immunité parlementaire. Donc, il a été humilié injustement, injustifié. Voilà. Donc, il ne devrait pas. Il a l'immunité parlementaire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est encore sénateur. Il est encore député. Mais en tout cas, il est homme intouchable. Donc, on n'a pas le droit de le saisir. Voilà. Nous allons aussi argumenter sur cet argument-là aussi en apportant des exemples des autres, de ses autres collègues, de ses autres compatriotes aussi qui ont vécu le même comportement, la même situation ou le même traitement malgré l'immunité parlementaire. Voilà. Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'au Gabon, quand il s'agit de nos parents, nous autres là, on n'a pas fait l'école là, on ne méritait pas de parler. On est tout de suite attaqué des bêtards. Ensuite, cinquième argument, c'est de la distraction. Voilà, ce sont vos mots. J'ai tourné partout là. Oui. Surtout sur mes commentaires et sur la page de mon frère Pasteur Raoul Aou qui a aussi partagé cette vidéo. Là, on m'a tagué là-bas. Là-bas aussi, j'essaie de voir à peu près les arguments et aussi sur Yann. Voilà, j'essaie de prendre vos arguments qui vont faire en sorte que je tienne ce live parce que ça m'a bouché les oreilles.
Donc, vous avez dit que c'est de la distraction, que le PDG veut nous distraire. Voici le cinquième argument sur lequel nous allons baser notre live. Sixième argument, d'après vos commentaires, si c'était un PDGiste, on ne devait pas savoir. Voilà. Donc, pour vous, autant les PDGistes volent en cachette, les opposants aussi doivent voler en cachette. Voici l'élément où on peut aussi venir vous montrer le contraire de vos dires. Après, septième argument d'après vous, vous dites ceci, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui volent l'argent au Gabon, que Zumba vole l'argent aussi, ça ne change en rien. Qu'il y a Akobesi, il y a Liban Souleman, pourquoi c'est pour Zumba qui est intéressant? Ça, c'est d'après vous, d'après votre logique nationale. Voilà, si l'étranger vole, le nationaliste aussi a le droit de voler. Le nationaliste n'a pas le droit d'arrêter, mais lui aussi doit piocher dans les caisses de l'État. Voici le septième argument sur lequel vous, les défendeurs de Zumba, vous trouvez pour justifier ces 3 milliards. Vous avez dit que... les bongos volent depuis 42 ans. Voilà qui a humilié les bongos. Voici le huitième argument. Ensuite, neuvième argument, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez dit, il avait son budget. Voilà, quand il était député. Donc, si celui-ci va plutôt plus ou moins reprendre, mais c'est pour venir argumenter un peu d'hier. Et à la fin, c'est un don qui lui vient de... du Congo. Donc, dixième argument, c'est un don donné par le Congo. Je peux encore ajouter même le onzième ici que vous avez aussi dit en m'envoyant cette capture d'écran, de la loi de la CEMAC qui me fout les nerfs en disant qu'en CEMAC, on peut se balader avec tout l'argent du monde qu'on veut. Illimité, personne ne nous arrête. Voilà, c'est légal. Voici à peu près les 10 voire 11 arguments sur lesquels nous allons tenir ce live. Voici l'introduction. J'ai été longue, hein? Bien. Ah, Seigneur, les marabouts. Hey, voilà. C'est-à-dire que il y a les gens qui ont les problèmes importants, mais il y a des marabouts qui ont les solutions. Il y a les marabouts qui ont les solutions. Nous, on a des problèmes que il y a des milliards qui vont là-bas. Le marabout, mon ami, faut pas mieux tu rentres dans mon téléphone, tu me fais un virement de 3 milliards au lieu de venir poster le maraboutage ici. Vous ne choisissez pas des pages, vous pouvez aller faire votre truc là. Bon, maintenant, on va commencer. Je baisse un peu le temps. En fait, quand je parle fort là, c'est pas pour vous. Hein. C'est vraiment comme ça que je parle. C'est, voilà. C'est parler doucement, c'est pas trop mon truc. Le numéro de téléphone est bien sûr épinglé pour les personnes qui voudront participer. Qui est Guy Zumba Ndamba? Guy Zumba Ndamba, pour ceux qui l'ignorent un peu, moi je ne connais pas, vous savez que des personnes comme nous, comme moi surtout, je ne m'intéresse pas trop à la politique, mais je m'intéresse aux faits de la société, de mon pays. Donc même s'il y a un peu de politique dedans, ce n'est pas mon problème. Guy Zumba Ndamba était un président, c'était un ancien président de l'Assemblée nationale de la République gabonaise. D'après l'histoire, c'est des personnes qui ne quittaient jamais leur poste. Il est l'ancien collègue de Marie Badeleine Bourantou. C'est les gens qui sont nés dedans, qui ont... C'est-à-dire que si Bongo, le père, ne serait pas mort, Guy Zumba Ndamba sera encore président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un monsieur qui a occupé ce poste-là pendant, on ne peut pas citer, il y en a qui ont dit 18 ans, 19 ans. Donc, vous-même, imaginez. Après, quand il sort de là-bas, il vient de l'opposition. Pour les personnes qui ignorent, Guy Zumba Ndamba est l'auteur du mot « tout sauf les femmes ». Guy Zumba Ndamba est celui qui a mis Ali Bongo au pouvoir. Guy Zumba Ndamba, que vous prenez la part aujourd'hui, que vous défendez aujourd'hui, qui devient quelqu'un de saint, qui devient quelqu'un d'innocent, ne l'oubliez pas, c'est celui qui a mis Bongo au pouvoir. C'est celui qui a
permis, c'est celui qui a encouragé, c'est celui qui a accompagné. Guizoumandama ne démissionne pas parce qu'il avait, c'était de son plein droit. Il démissionne parce que Bongo ne répondait plus à ses attentes. Il sort de là-bas et vient faire une fausse opposition. Voilà. J'essaie un peu de mettre à peu près. Ensuite, on rentre dans ce qu'on a appelé ici la résistance. Ping, gagne les élections. Et puis, vous avez vu cette coalition maboulitisme de nos parents. Ce sont ces personnes-là qui, par leur soi-disant carnet d'adresse, ont convaincu le peuple gabonais de s'unir derrière eux, de faire confiance parce que ce sont les doyens, ce sont les baobabs de la politique gabonaise. Donc, ils ont tous les outils pour enlever Ali Bongo Ondimba. C'est comme ça que les Gabonais ont suivi toutes ces personnes-là. Ensuite, il y a eu la vague de démission. Il y a eu la vague de « je ne suis plus Jean Ping ». Il y a eu la vague de « c'est, il y a eu la vague de traites, là, comme on appelle entre eux-mêmes là. Hein? Nous, le peuple gabonais, toujours, on mange sur notre dos. Nous ne sommes jamais informés de quoi que ce soit. On voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Moi, je ne vais pas oublier parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire vos états d'âme ici. Non, je sais qui sont. Même si je ne connais pas la politique totalement, mais je sais, je connais d'après moi, d'après l'histoire, l'implication ou la responsabilité de chaque opposant, de chaque PDG, à mon plus petit niveau d'information qu'on me donne, ou que je sais. Guizoumba ne serait un innocent, ne serait un martyr aujourd'hui à cause de Sassou. D'accord? Bien. Alors, mes chers compatriotes, comme vous savez, il s'est présenté aux élections. Ensuite, là, il est en train de préparer, d'après lui, sa candidature, ses élections, sa campagne. C'est ce côté-là que je viendrai parler plus tôt. Je ne sais pas s'il faut commencer par là, avant de commencer par ses sondons. Guizoumba prépare sa campagne. Campagne contre qui? Ouvrez vos oreilles. Campagne contre qui? Contre Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'on est bien d'accord? Il se rend où? Il se rend au Congo. Qui fait le don des milliards à Guizoumandamba? Sassou Nguesso. Qui est Sassou Nguesso par rapport à Ali Bongo Ondimba? Les Nguesso ne sont-ils pas les enfants de Bongo? Denis Sassou Nguesso n'est-il pas le petit-fils de Bongo? Donc, un opposant qui va chercher l'argent chez le beau-père de son adversaire. Donc, comme ça, on va lui faire croire que Sassou Nguesso n'aime pas Bongo, n'aime pas ses petits-enfants, n'aime pas ses petits-enfants. Et il va financer son rival. Il va financer le rival de son petit-fils. Il va financer le rival de ses enfants. Il va financer le rival de l'héritage de ses enfants. Donc, Guizoumandamba, certes, on vous le concède. Et donc, du coup, il a donné 3 milliards. Voici 3 milliards pour aller battre mon beau-fils, pour battre mon fils, pour battre mon petit-fils. Je te donne 3 milliards. Sassou Nguesso est contre sa progéniture et contre son héritage. Et donc, il va soutenir l'opposition qui veut enlever sa famille sur le pouvoir. Parce que les Nguesso et les Bongo, c'est la même chose. Les Nguesso et les Bongo, c'est la même famille. À moins que les enfants de choses là, de Edith. Voilà. Est-ce que jusque-là un peu, je suis calme, non? Beaucoup disent que c'est un don. Le président Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville a octroyé une somme de 3 milliards de francs CFA au rival, soi-disant rival d'Ali Bongo Ondimba pour battre sa campagne. Et nous savons tous les relations qu'il y a entre les Sassou et les Bongo. C'est-à-dire qu'il y a des liens de parenté. Il y a des liens de parenté entre les deux présidences, entre les deux pays. Donc, subitement, aujourd'hui, Sassou va mettre sa famille à côté et soutenir l'opposition. On ne sait jamais parce qu'en politique, là-bas, ils sont tous sensés. Bonjour, mon frère Frankie.
Parce qu'en politique, ils sont tous sociologues. Pour nous, quoi, Makaya? Voici le premier point que moi, je n'adhère, je ne cautionne pas bien, je n'adhère pas, ça ne rentre pas bien dans ma tête. Donc, Sassou Nguesso, avec tous les problèmes, Sassou Nguesso a fait enlever dans l'argent du contribuable congolais 3 milliards de francs CFA pour donner un milliardaire gabonais. Parce que parfois vos arguments, vous êtes contradictoires. Un coup, vous dites qu'il a travaillé pendant 19 ans, son salaire à l'annuel est à 1 milliard de francs CFA. Donc Sassou Nguesso, malgré cela, a pu enlever encore 3 milliards de francs CFA dans les caisses de budget du contribuable congolais pour reverser un milliardaire gabonais qui vit à la hauteur de 1 milliard l'année. Faut m'expliquer. Voici le premier point où moi je veux déjà comprendre ici. Vous savez que moi je réfléchis dans la BTT. Je suis la reine de l'idiotie. Mais malgré ça, vous êtes là, vous m'écoutez. Mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Sécurisez notre live. Si je ne sais pas si c'est sécurisé, en tout cas, boostement. Comme vous ne pouvez pas donner les étoiles, mettez-moi le cœur, c'est gratuit. Voici le premier point, les amis. Il y a assez d'argent. Ça encore, on va dire. Moi, je me veux dire, on s'en fout. C'est l'argent du Congo, ça ne me regarde pas. Mais en tant que panafricaine, mais en tant qu'africaine, je ne pense pas que l'intérêt national de la pauvreté des Congolais ne m'importe pas. C'est faux. C'est faux. Parce qu'on combat tous pour l'équilibre. On combat tous pour l'équilibre, la sous-région de notre Afrique là-bas. On combat tous pour ça. Donc jamais je vais entendre que les Congolais sont en train de mourir de faim parce que Gizou m'a pris 3 milliards d'argent des Congolais pour venir battre une campagne où on sait très bien qu'il ne gagnera jamais les élections. Une campagne où il ne gagnera jamais. Si ce n'est que pour venir donner encore du poids à Libombo plus tard et puis vont encore discuter, vont encore se distribuer encore les places pour dire après à la fin, oui, allons-y à la négociation. Allons-y parler, allons-y faire de pourparlers pour, voilà. Deuxièmement, vous avez dit que il a travaillé pendant 19 ans et que cet argent est son argent. Bon, je ne sais pas si vous comptez que son salaire, parce que Zuma n'est plus en service, hein? Je ne sais pas si le salaire qu'il touchait quand il était en service, c'est le même salaire qu'il touche maintenant. D'après les informations, les ministres, les députés ou les sénateurs ne touchent pas légalement pas plus de 5 millions de francs CFA. Légal, leur salaire, on ne parle pas de budget alloué pour leur projet. Parce que nous, au Gabon, on confond tout entre budget alloué à mon ministère ou à mon département ou à mon truc et mon salaire personnel. C'est comme ici en France, même les ministres, même Macron, à peu près 8 000 euros. C'est-à-dire 4 millions seulement par mois de salaire. Après, il y a un peu pour les extras et tout ça là. Donc, si on calcule, vous calculez que depuis 19 ans, on part à la base que le salaire de Guy Zumba est à 5 millions net. Nous partons sur la base de 5 millions. Donc, Zumba n'étant plus en service, comment il peut justifier qu'en 19 ans, les 5 millions, avec tout ce qu'il vit, son coût de vie, son luxe, c'était beaucoup de campagnes qu'il a fait, tout, les millions de Zumba, se sont transformés en milliards dans les valises. Par comment? Vous dites 29 ans. Ok, merci. Donc, vous dites que il a travaillé pendant 19 ans et son salaire était de milliards. C'est son salaire de milliards. Donc, il n'avait pas un budget. Donc, vous confondez le budget et le milliard. Ça veut dire que vous, les Gabonais, l'argent que l'État donnait à Zumba pour souvenir avait besoin, pour construire même sa ville. Je pense qu'il est de Mouela. Oui, si je ne me trompe pas. Pour construire même son village, pour développer même son département. C'est-à-dire que l'argent qui était alloué pour sa province, pour son département, est-ce que vous avez des infrastructures mises en place par votre sénateur ou député ou je ne sais pas quoi encore? Parce qu'il faut venir justifier. Bah, vous avez fait beaucoup des études là. J'ai eu mal à la tête. C'est son argent. Après tant, ça justifie tout cet argent là. Lequel? Le budget ou son salaire? Est-ce que Zumba est encore en service pour continuer à recevoir tout cet argent? Parce que là, il est au chômage. Ils sont tous au chômage, hein?
Ils sont tous au chômage. Ils reçoivent, quand ils ne reçoivent plus le même argent que Akulamutu, merci beaucoup. Ils ne reçoivent plus le même argent que lorsqu'il était en service. C'est faux. C'est-à-dire que s'il avait 5 millions de salaire par mois, il n'a plus les 5 millions de salaire lorsqu'il n'est plus en service. Mais comme c'est le pays des voyous, des bananiers, on sait comment ça se passe là-bas. Merci, oui, j'ai vu qu'il est de Akulamutu. Moi, j'étais à Akulamutu. J'étais à Akulamutu. Mon père était à Akulamutu. Hmm? Ça ne ressemble pas à la ville où on a des présidents de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été à Akulamutu. Ça ne ressemble à rien là-bas. Ça ressemble comme toutes les villes pauvres du Gabon. Ça ressemble comme tous les départements pauvres du Gabon où l'argent ne vous... C'est votre argent. Ça vous concerne, peuple gabonais. À un moment donné, asseyons-nous et posons-nous un peu les bonnes questions. Ça ne sert à rien de venir faire, oui, c'est pour lui, ça fait comme ça, il a fait ça, il a travaillé là-bas. Ok! Il a travaillé ça pour lui ou pour la nation. Cet argent donc qui lui a été versé chaque mois, c'était pour lui ou pour la nation. Il avait son salaire comme tout le monde. Vous allez voir les ministres français ou les députés français ici, vous n'allez pas voir ces personnes se balader avec autant de milliards après leur service. Et encore là, qu'est-ce qui nous justifie? Y a-t-il une traçabilité que Sassou Nguesso a fait de l'argent à part vos messages à la noix que vous venez balancer sur les réseaux sociaux? Quelqu'un a un transfert de Sassou Nguesso, allait prendre l'argent dans les caisses de l'État congolais, retirer 30 milliards de francs CFA et donner à machin. Quelqu'un a la traçabilité de ce retrait de 3 milliards de francs CFA de Sassou Nguesso? Non. Comme pareil, c'est aussi peut-être l'argent volé aux Congolais. Tout ça, c'est le vol, que ça soit au Congo et en venant au Gabon, c'est le vol. Vous volez toujours la nation. Arrêtez-vous là, hein. Avec moi là, c'est pas avec moi. Avec moi, vos états d'âme là, c'est pas ici. Vous l'avez bien compris. Hein. Vos états d'âme, c'est pas avec moi. Moi, quand je suis focus sur quelque chose, je m'en fous comment vous allez démontrer que A plus B, c'est pas ça. C'est pas mon problème. Je connais les individus. On connaît qui sont ces personnes là. On connaît tous qui sont ces personnes. N'oubliez pas le personnage. N'oubliez pas tout sauf les femmes. En pleine télévision, c'est lui. Il est allé prendre l'argent chez Sassou. Sassou qui est le beau-père d'Ali Bongo. Donc Sassou va lui donner l'argent pour enlever Ali Bongo Nima, qui est le frère de son petit-fils. Ah, ok. Bon. Ah. Maintenant, comme il a le droit de se balader avec autant d'argent, pourquoi est-ce qu'au Gabon, on arrête les bandits? Pourquoi on arrête des voyous? Ça veut dire que dans votre décret là, je vais lire ça, on me l'a envoyé. Imaginez-moi. Oh la grâce, ça fait déjà 20 minutes, tu n'es pas là, c'est pas bon. Parce que là, je vous ai trop parlé. Attendez, les amis. Il y a une de mes boss lady qui m'a envoyé ça. Je vais vous lire ça. Notez bien. Les voyageurs résidents et non résidents se rendant d'un pays membre de la CEMAC à l'autre peuvent emporter avec eux un montant illimité de billets et pièces de la CEMAG. Document justificatif à présenter. Tourisme, un document de voyage en cours de validité et un titre de transport. Voyage d'affaires, une carte ou une attestation professionnelle. Un document de voyage en cours de validité et un titre de transport. Pour les étudiants, une carte d'étudiante ou une attestation d'inscription. Bon. Ça veut dire qu'ici, dans la zone SEMA que nous sommes en Afrique, là, ils ont décidé que on peut voyager même avec 100 milliards. On peut même voyager avec tout le budget de l'État. C'est-à-dire que tout l'argent peut même aller vider toutes les caisses de l'État. On se balade. Vous savez qu'on remplit même un grumier. Pas le grumier. Comment on appelle ça, la benne? On peut remplir même une benne. On remplit une benne. De tout l'argent de là, on met la belle comme ça pour pouvoir, on met les bâches. On a le droit de se balader avec. À condition de présenter seulement des pièces d'identité. Parce que là, il n'y a pas de présenter l'origine. Il n'y a pas de présenter la provenance de l'argent. Il dit ici de présenter seulement la pièce d'identité. Donc, moi là,
Je peux demain devenir, je peux demain devenir une mafieuse. Je peux demain devenir une trafiquante de drogue. Je peux demain devenir une trafiquante des enfants. Je remplis l'argent dans le sang. Personne ne m'arrête. Je fais seulement sortir la pièce d'identité. C'est légal. Mais dans ce cas, je vous pose la question, pourquoi vous arrêtez les voyous, comme dit ma grand-sœur? Pourquoi est-ce qu'on arrête les voyous, les bandits, les braqueurs? Puisque eux, ils ont le droit de se balader avec autant d'argent en zone CEMAC. Sans justifier la provenance. Ici, dans votre papier là, peut-être qu'on m'a donné ça à moitié. Il n'y a pas de justificatif de provenance ici. Donc, pourquoi est-ce que lorsque c'est les bandits, lorsque c'est les voyous, lorsque c'est les criminels, donc parce que vous ne dites pas là, vous ne dites pas que non, les criminels ne doivent pas être arrêtés. Vous ne dites pas que les vendeurs de drogue ne doivent pas être arrêtés. C'est que tout le monde peut se balader avec l'argent. Mais dans ce cas, pourquoi on se plaint alors de Bongo? Donc Bongo a le droit, Sylvia a le droit. Vous comprenez? Il faut que ça s'applique à tout le monde, les amis. Si Zuma a le droit de se balader avec les milliards, Bongo a le droit aussi de se balader avec les milliards nationaux. Sylvia a le droit parce que ce sont l'argent. Sylvia n'est pas venu voler dans vos maisons. Partons de l'hypothèse de votre argument là. Tout individu en zone semaine ou non a le droit de se balader avec autant de milliards. Mais pourquoi on se plaint alors des milliards? Donc, Acrobatie ne devait pas faire l'objet de nos discussions parce qu'il a le droit de se balader avec les milliards d'abonnés en zone CEMAG, puisque parfois il tourne là. Bon, bref. Hein? Donc, ce n'est pas l'argent volé que ces personnes-là ont aussi. Que l'argent des voyous que vous attrapez, que les machins, les malfaiteurs que vous attrapez, tout ça, ce n'est pas votre argent, c'est leur argent, puisque la zone CEMAG nous permet de voyager, de se balader avec tout l'argent-là. Parce que vous n'avez pas attrapé les bandits en train de dealer. Vous n'avez pas attrapé ces personnes en train de dealer. La plupart du temps, vous les attrapez en train de voyager, en train de faire quoi? Mais vous arrêtez parce qu'ils ont les sommes. Et pour vous, automatiquement, ces sommes-là, c'est du vol, c'est du trafic, c'est des détournements. Mais est-ce que vous avez preuve de ces détournements? Mais pourquoi la loi-là, quand c'est certaines personnes, vous voulez appliquer, vous faites sortir maintenant le décret que la libre circulation des biens, des points de la zone de semaine nous permet de se balader. Mais certaines personnes, quand certaines personnes se baladent avec de l'argent, ces personnes-là méritent de la prison, méritent des injures, méritent. Mais pourquoi celui-là vous fait sortir le papier-là? Pourquoi avec Zumba? On vient maintenant, les Gabonais, aujourd'hui maintenant que les Gabonais vont savoir que l'Afrique-là, tu vas voler le monde entier, tu mets ça dans ta cabane là-bas, tu vas avec la cabane là en Guinée équatoriale ou au Cameroun, c'est pas un problème, c'est la zone se marque. Pourquoi c'est avec Zuma qu'on doit faire sortir des tests de loi? Pourquoi ça vient Zuma qu'on doit faire sortir autant de lois? Moi, j'ai regardé vos interventions, je regarde vos commentaires, je lis vos commentaires, j'ai mal à la tête. C'est comme si vous oubliez qui sont ces personnes. C'est comme si vous oubliez en 2016 qui était Zumba. C'est comme si vous oubliez en 2016 qui étaient ces hommes politiques. C'est aujourd'hui vous les trouvez sans. Peuple gabonais, pourquoi on est comme ça? Vous pensez vraiment même qu'on mérite même qu'on s'intéresse à notre sort? Est-ce que vous pensez qu'on se mérite même nous-mêmes, on se mérite même d'être gabonais en face d'eux? Lorsque vous le défendez là, vous pensez qu'il a votre temps? Les milliards là, il va les partager avec vous? Il va même vous créer même les toilettes séchées? On oublie, on a la mémoire sélective. Vous avez argumenté, vous avez ajouté le mot immunité parlementaire. Ah bon, il est encore dans l'Assemblée nationale. Mais Charles Zibi n'avait pas cette immunité parlementaire. Non mais, j'ai la haine. En fait, vous me rendez malade. Mais Charles Zibi n'avait pas d'immunité parlementaire parce que c'est un fan. Vous voyez la différence? Parce que Charles Zibi, c'est un fan député. Lui, il avait le droit d'être humilié. Il a fait 6 ans en prison. Lui, il n'avait pas le droit d'avoir l'immunité parlementaire. Mais lui, Zuma, oui, Zuma dit, on l'a humilié. Vous n'avez pas vu l'arrestation de Bétanzi, Zibi, peuple gabonais. Vous êtes malade ou bien? J'ai dit que je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas m'énerver. Vous n'avez pas vu l'arrestation de Bétanzi Zibi en 2016? Ah non! Lui n'avait pas l'immunité parlementaire. C'était un chien fin.
l'humanité, qu'on devait accuser de terrorisme. Mais lui là, on attrape avec son argent dans son sac. Lui là, pourquoi vous pouvez humilier un père de famille Bedjazli? C'est un père de chien. Des enfants de Bedjazli sont des chiens. C'est ça? Ou bien Jean Ping, vous l'avez interdit comme un malpropre qui ne doit pas prendre le vol. Vous avez interdit à Ping de prendre le vol, il devait voyager. Vous l'avez arrêté le jour-là, j'ai eu peur. J'ai eu pitié de Jean Ping le jour-là. Vous l'avez arrêté à l'aéroport comme un enfant pour un ex-président de l'Union africaine. Vous l'avez humilié. Lui n'avait pas l'immunité parlementaire. Vous choisissez à qui mettre vos lois. Je vais vous parler aujourd'hui, peuple gabonais, aujourd'hui je suis avec vous. Là, je prends Zuma, j'ai fini Zuma hier. Aujourd'hui, c'est vous et moi, on va reprendre. Après, je vous donne la parole. Après, vous avez le droit d'intervenir, soit dans le live, soit machin. Vous parlez que c'est son argent. Jean Ping, ce n'est pas son argent. Bien qu'aujourd'hui, la Jean Ping m'énerve, mais je ne veux pas être une hypocrite aussi. Hein. Je ne veux pas faire semblant. Attendez, il y a quelqu'un qui appelle. On va appeler par l'ordinateur. Oui, bonjour. Allô, bonjour, Madame Claire. Oui, bonjour. Vous allez bien? Le bonheur est là. Comment puis-je vous aider? Ah, d'accord. Ben, vous avez mis le numéro, c'était pour intervenir, non? Ah, oui, c'est ça, je vous écoute. Ah, d'accord. Ben, en fait, je tenais juste à intervenir un peu par rapport à cette situation. Je veux peut-être pas aller dans le même sens que vous, mais c'était un peu juste par rapport à ce que vous êtes en train de poser comme question en disant si des voleurs et autres et tout sont de temps en temps arrêtés, pourquoi c'est pas la même loi pour les autres? Donc c'est un peu à ce sujet-là que je voulais un peu intervenir en fait. D'accord. Donc en fait moi je voulais juste dire que vous saviez si on veut faire des choses bien, on est obligé de suivre la loi. Les exemples que vous prenez, par exemple, pour les voleurs, les dealers et autres et tout, même ici en Europe, lorsque vous baladez avec de l'argent, il y a une somme que vous ne pouvez pas balader avec. Merci. Quand vous avez déjà au-delà de 10 000 oui, ou 15 000, tu dois déclarer. Voilà. Mais sauf que si on vous arrête avec cet argent, on ne vous le prend pas. On vous donne la possibilité de justifier votre argent. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous devez le justifier avec des justificatifs. Donc, quitte à ce que ça aille au tribunal, mais si tu arrives à justifier, on va te restituer ton argent. D'accord. Donc, moi, la question que je posais, c'est, est-ce que M. Ngui Zuma Dama peut justifier cet argent? S'il a les justificatifs, la provenance de cet argent, ben, normalement, ce monsieur, on doit le libérer, en fait. Il n'y a aucun souci. Ça peut aller jusqu'au tribunal, mais s'il peut justifier la provenance... Mais s'il a été libéré, ce qu'il a justifié la provenance, disant... Soit disant que c'est Sassou Nguesso qui est à l'origine de cet argent. Mais il y a avec des justificatifs, pas par la bouche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des documents donnés soit par la banque qui a délibéré cet argent. Ah, mon frère, c'est comme si tu ne connais pas la mafia de c'est tous ces présidents africains-là. C'est tous des voleurs. Sassou Nguesso, c'est notre voleur. Est-ce que c'est nouveau? Non. On veut pas rentrer dans ce débat d'insulter les c'est pas d'insulte, c'est les qualifications. C'est pas d'insulte. Une qualification n'est pas une injure. Je t'ai qualifié d'un voleur, je t'ai pas insulté. C'est ça que tu es. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des preuves pour qualifier quelqu'un de voleur. C'est ça le problème. Ah, ok, d'accord. Continue alors. Qualifier de voleur. Voilà. Donc, en tout cas, donc, c'est les mailleurs, comme ces voleurs qui vous voilà. Font mal. Si ce monsieur peut justifier vraiment que son argent est légal, et surtout qu'il est dans la zone CEMAC et que les lois aussi sont là, ben, normalement, c'est même lui qui doit porter plainte à la gendarmerie qui l'a arrêté, qui l'a humilié. Parce que normalement, selon les officiers d'OPJ qu'ils sont, ils devaient filmer ça à l'intérieur. Déjà, pour commencer, ces valises-là ne devaient pas être ouvertes devant la population telle que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on devait l'emmener déjà à l'intérieur. Même mais si peut-être qu'eux ne savaient pas. Parce que moi, je te prends l'exemple. Quand je viens, quand je voyage, quand on me contrôle à l'aéroport, tu vois, la première chose qu'on te fait, sauf s'il y a des scanners, là, c'est en pleine rue, donc il n'y a pas de scanner. Quand tu sors, ta valise, on a déjà remarqué ta valise. Quand tu veux maintenant sortir de l'aéroport, il y a la sortie, on te dépose des valises là pour voir automatiquement. Donc quand la valise passe, là où la douane t'arrête, t'es point à côté que madame vient voir à côté. Donc du coup, au Gabon, il n'y a pas ce système. Il n'y a pas ce système de détecter que dans les valises, il y a l'argent pour dire, bon, on vous amène à côté. Donc pour eux, ils ont vu beaucoup de valises. Donc c'est normal qu'ils regardent aussi dans les valises.
Bon, que ce soit Madame, que c'est un complot ou pas. C'était normal qu'il regarde. Ce sont des choses qui s'apprennent à l'école de l'OPJ. C'est-à-dire que lorsque. Ah, donc quand c'est les députés là-bas, on doit regarder à côté. Mais quand c'est les particuliers, on ne peut pas regarder à côté. J'ai pas dit qu'on doit regarder à côté. C'est-à-dire que ce soit un député, que ce soit n'importe qui, lorsque la personne arrive avec des choses, vous pensez que vous devez fouiller ces valises-là. Vous les descendez, vous faites rentrer le monsieur à l'intérieur. Attends, laisse-moi un peu, stop un peu. Ah, je suis Gabon et Priscilla Kofanture. Non, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas écouter, vous sortez. J'ai pris deux exemples aussi bien précis. C'est-à-dire, mes exemples sont bien précis. J'ai dit ceci, Guy Zuma Dama est l'auteur, il s'est sorti de sa bouche, à moins que vous voulez faire semblant de ne pas connaître. C'était sorti de la bouche de Guy Zuma Dama, tout sauf les femmes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui suis venu à la télé, c'était Guy Zuma Dama. Donc je prends aussi l'exemple, puisque Guy Zuma Dama doit avoir l'unité parlementaire, mais maintenant Zimi, parce que c'est une femme, parce que c'est Guy Zuma Dama qui a dit tout ça de femme, donc lui, il ne méritait pas comment on appelle, l'unité parlementaire. Vous allez m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire à cause de quoi? Vous pensez que moi, c'est dans l'hypocrisie avec vous? C'est moi qui ai dit à Guy Zuma Dama d'aller dire à la télé que tu sauves les femmes. C'était moi. C'est les femmes qui l'ont envoyé d'aller parler comme ça. Vous l'avez condamné ici quand il a dit ça. Vous l'avez condamné. C'est Jean-Claire, quand je vais parler, là, vous n'avez pas dit, ah, tchou. C'est moi qui ai dit à Guy Zuma de parler comme ça. Votre hypocrisie n'a pas de fin parfois. On rappelle les faits. Je suis en train de rappeler les faits. Les faits. De qui est Zuma? Les faits, je les rappelle. Vous pouvez aussi m'interdire ça? Non mais oh! Si vous ne voulez pas écouter ce que je dis et si vous quittez le monde, ne me faites penser que je vous manque de respect. C'est pas moi qui avais dit à Zuma. Va dire en pleine télévision que tout sauf les femmes. Je n'ai pas le droit de répéter ça ici parce que tu ne peux pas mettre un débat de femmes. C'est moi qui ai dit à Zuma d'être tribaliste. Nous sommes en live, allez-y. Vous pouvez toujours avoir les débats où quelqu'un prend un fait et je prends l'exemple d'un fan et je compare avec le vous voulez la tout sauf les fans. Que je suis ma boule, vous n'avez même pas conscience que la personne qui vous parle, elle met les binocles, vous êtes toujours là, vous m'énervez avec vos commentaires à la con. Donc si quelqu'un dit que tout sauf les fans, non plus le droit de répéter ça parce que vous avez trop peur d'appeler les chiens par son nom. C'est moi un bon juge, je dis en Zuma que va parler en pleine télévision que tout sauf les fans. Ça aide envers les fans, c'est moi qui lui ai donné ça dans son cœur. On ne doit plus répéter, on ne doit plus répéter. Si on ne perce pas le plus qui existe là, vous allez voir là. On ne va pas s'en sortir parce que vous n'aimez pas appeler les choses par leur nom. Et moi, je suis celle qui va vous dire les choses par leur nom. Moi, je suis celle qui va vous parler les choses par leur nom. Si vous avez peur, vous avez honte ou vous avez peur de qui a dit ça, que votre parent a dit ça, il faut aller lui demander alors de venir rectifier ça. Il va dire à tous ensemble avec les femmes. Parce que ce n'était pas moi qui avais demandé à Guy Zuma de venir parler de ça ici en pleine télévision. C'est même il a ouvert sa bouche. Oui, allô, bonjour. Je n'ai pas encore terminé mon argument. Bonjour. Allô? 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 Ah, beaucoup, ouais. Bon, bref, écoutez, ne me mettez pas la colère, s'il vous plaît. Laissez-moi vraiment faire mon live tranquillement. Parce que moi, je n'aime pas votre live. Vous, ce qui est bizarre avec vous, c'est que vous aimez retenir ce que vous voulez retenir quand il y a un mot qui ne vous plaît pas. Il faut arrêter. Le Gabon, ce que je suis en train de dire là, c'est réel. Il y a des tribalistes au Gabon. Il y a des gens qui sont normaux. Nous ne sommes pas tous tribalistes, mais il y a des tribalistes qui existent. Comme ici, enfin, il y a des racistes. Il y a des gens qui ne sont pas racistes. Il faut le reconnaître. Si vous faites semblant de ne pas le reconnaître, là, excusez-moi, vous êtes tous des hypocrites. Il faut reconnaître au Gabon, il y a le tribalisme et il y a les gens qui ne sont pas tribalistes. Notre pays, c'est le plus grand problème ici. Oh. Comment on va soigner une plaie si on ne peut pas déjà savoir qu'il y a une plaie quelque part? Bonjour, mes chers messieurs. Vous appelez depuis le Gabon. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport à ce direct là aussi. Hein. Ah, on t'écoute. Non, je me fâche pas. Bon, par rapport à ça, moi je trouve bien. Allô? Oui, c'est toi qui n'as pas le réseau. Vas-y, bonjour. On t'écoute. Oui. Oui, allô? On t'écoute. Oh. Allô? Oui, oh. Oui, je voulais intervenir un peu par rapport à ce direct et puis essayer de donner mon point de vue. Vas-y. Bon, moi je
trouveras bien que les agents, par rapport à autant d'argent, ils ont bien fait de l'arrêter. Parce que si c'était, comment dirais-je, si c'était, je veux dire ça comment, un civil, quelqu'un de simple, je pense bien que on devait sûrement peut-être même le menotter, voilà, essayer de le molester même, si possible. Mais on connaît tout ce qui se passe dans ce pays-là. Ce type-là, c'est un bandit, en fait. C'est un bandit. Parce que même, remarquez même que sa propre ville de Koulamtou, sa propre ville Koulamtou, il n'a pratiquement rien fait, hormis peut-être le modèle, lequel qui est vers la porte qu'il a pris. Hormis ça, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Si on compte les hôtels et les motels pour le développement de la ville de Koulamtou, c'est le feu ancien ministre Massima qui a été au développement de cette ville. Mais sinon, ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un, moi je dirais bien quelqu'un de méchant en fait. Voilà. Donc ce qu'il arrive, moi, il mérite vraiment ça. Il mérite vraiment ce qu'il arrive. Et puis quelqu'un ne peut pas se balader avec autant d'argent comme ça, des valises et des valises d'argent, sachant bien que le pays, on est là, il y a des enfants qui souffrent, le pays a besoin d'être développé. Vraiment, moi, je ne trouve pas ça bien, en fait. Merci, voilà, donc c'était un peu sûr, c'est que je voulais essayer de parler. Merci beaucoup, merci. C'est comme ça, on a besoin des points de vue de tout un chacun, de chaque abonné, même si parfois c'était commentaire me contrahit beaucoup, mais on a besoin du point de vue de tout un chacun, parce que beaucoup de Gabonais oublient souvent. Beaucoup de Gabonais font parfois des analyses ou pour oublier qui sont nos personnages politiques là. Voilà, tu es de Koulamtou ou bien? Oui. Tu es de Koulamtou? Je suis de Koulamtou, bien. Oui, oui. Ah, donc tu es un digne fils de la province, donc tu connais qu'il n'y a rien. Tu sais très bien les galères qu'il y a au pays. Il n'y a rien. J'ai grandi là-bas même. J'ai bien grandi même. Ah, même l'eau, il n'y a même peut-être pas d'eau là-bas. Même l'eau, encore même. Bon, l'eau, on peut dire qu'il y en a parce que chacun tire sa pompe chez lui. Ah. Mais hormis ça, le développement de Koulamtou, c'est Jean Massima, l'ancien ministre qui est décédé. C'est lui qui a participé au développement de ce pays. Parce qu'ils sont pas la plupart des hôtels et des motels qui est dans Koulamtou, c'est pratiquement pour Massima. Hein? Même lorsque des gens arrivent, des populations viennent par exemple pour un showbiz ou je ne sais pas quoi, peut-être une manifestation, mais ce sont les hôtels de Massima qui dans lesquels ils se logent. Supposons qu'ils-mêmes ils prenaient ces hôtels et disaient que bon, ça on fera ça comme des maisons à louer par exemple pour mes propres parents. Exactement. Bon, certaines personnes, certaines autorités, en venant peut-être pour quelque chose, pour une mission, se logeraient en fait. C'est la question que moi je me pose. Mais lui-même, sa maison dans son village, il y a quoi? Est-ce que, peut-être on va dire que Koulamtou n'est pas le seul digne fils de Koulamtou, mais dans son village quand même, il a fait quoi là-bas? Il n'a rien fait. Là-bas, c'est carrément la brousse, il n'y a rien. Mais il a quand même 3 milliards dans le compte. Même pour créer les... Même les routes, une forme publique au village, il n'y a pas. Il n'y a rien, là-bas. Et c'est pour vous qu'on doit forcément attaquer, c'est le seul qui ne développe pas le pays. Ah, ok, d'accord, merci frère. Merci beaucoup. On ne lance des cailloux que sur un arbre qui a des fruits, en fait. À qui saisis-moi les fruits? Okay. Ok, à tout à l'heure. Bon, merci. Non, mais je ne suis pas fâché. Moi, quand j'ai cala, je ne suis pas fâché avec qui que ce soit. Je vous réponds tels vos commentaires. Je ne suis pas fâché. D'accord? Bon, le numéro est sur le live. Je vais d'abord arrêter de ne pas prendre la personne qui appelle, parce que laisse-moi d'abord le temps de... Bon, attendez, je voulais que tu me laisses d'abord le temps de... Oui, allô? Ça, c'est pas pour l'intervention. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je voulais intervenir dans le direct, est-ce que c'est possible? Tu es déjà là, mais faut pas choquer trop comme ça, là. À qui est? Bonjour, j'aimerais expliquer un certain nombre de choses. Vous savez, le seul souci, c'est quoi? Le seul souci, c'est que on a attrapé un homme politique avec des mallettes d'argent. Il n'y a pas une information qui nous prouve que c'est l'argent du contribuable. Je m'explique. Vous savez, au Gabon, on a trop tendance à vous. Le seul délit qu'il a commis, c'est que la loi gabonaise ne l'autorise en aucun cas à se balader avec une certaine somme d'argent qui était vraiment trop. Ah, essaie d'augmenter le volume, s'il te plaît. Tu es un homme. La Gabonaise n'autorise pas
à se balader avec une certaine somme d'argent dans le territoire. Maintenant, la seule chose qui devra aller répondre, c'est de répondre de ses actes, c'est-à-dire où est la première... Ah, attends, mais là tu dis quelque chose de contraire. Tu dis que l'État gabonais, la loi gabonaise ne l'autorise pas de se balader avec autant d'argent. Oui. Mais maintenant, le circulaire qui passe le que la zone se marque, là, on a le droit de se balader avec beaucoup d'argent. C'est contradictoire, non? Ou bien? Parce que le Gabon n'est pas dans la zone se marque. Non, parce que quand on entend les commentaires, les gens sont en train de dire les Gabonais sont en train de souffrir et vous vous baladez avec autant d'argent. C'est pas faux aussi. Sur les billets, est-ce qu'il y a un billet qui était écrit que c'est l'argent du contribuable? Pourquoi? Parce que on a attrapé un homme politique avec autant d'argent, on insinue que il a volé l'argent du contribuable. Maintenant, s'il prouve que c'est pas l'argent du contribuable, donc moi je pense que on doit attendre. Il doit aller répondre de ses actes ou on va lui demander où est la provenance de cet argent. Et le délit, c'est que vous n'avez pas le droit de vous balader avec autant d'argent dans le territoire gabonais. Mais il ne faudrait pas qu'on mélange les choses en disant c'est forcément l'argent du contribuable. Papa, je te posais une question là, tu n'as pas répondu. Bon, je comprends, tu dis que non, on n'a pas le droit de se balader avec autant d'argent dans le territoire gabonais. Mais le territoire gabonais est dans la zone CEMAC. On dit qu'on peut se balader avec autant d'argent dans la zone CEMAC. Mais quand il quitte la zone CEMAC là pour venir au Gabon, c'est de quelle loi alors là? Il faut d'abord répondre à cette question là. La CEMAC dit on peut se balader, le Gabon dit on ne peut pas se balader. Qui dit faux, qui dit vrai? Non, la loi gabonaise... Ça j'ai compris, oh. Mais la loi de la CEMAC, le papier de la CEMAC dit que on peut se balader avec beaucoup d'argent jusqu'à Kalakala, non illimité. Maintenant, le Gabon est dans la zone CEMAC. Donc le Gabon, ça ne peut pas être que le Gabon dit non, la CEMAC dit oui. Donc il y a quelque chose, je veux savoir à quel moment on quitte du Gabon pour arriver à la zone CEMAC. Est-ce que le Gabon n'est plus dans la zone CEMAC? D'accord. La grande claire, on va se poser les bonnes questions. La question, nous aujourd'hui, nous sommes pas les tribunaux. Il va aller répondre de ses actes. Non, c'est pas les tribunaux. Moi, je vais seulement répondre à ta question intelligible. Là, tu as dit, dans le territoire gabonais, on n'a pas le droit de se balader avec autant d'argent sans justifier. Je te le conseille. Mais la CEMAC dit, tout individu peut se balader avec autant d'argent. Et moi, je pose la question, sachant que je suis gabonaise et que le Gabon est dans la zone CEMAC. Maintenant, c'est quelle loi je vais appliquer? Est-ce la loi nationale ou la loi de la zone CEMAC? C'est la seule question. Ben, moi, je pense qu'on doit appliquer la loi nationale. S'il s'est baladé dans le Gabon avec une loi qui lui opposait à ne pas se balader avec une certaine somme, ben, il va aller répondre de ses actes. On va lui dire, ici au Gabon, vous n'avez pas le droit de vous balader avec telle chose. Et tu as un test de loi qui dit ça? Je n'ai pas exactement le test de loi, mais à partir de plus de 6 millions, vous devez justifier avant... Ça, moi, je le savais, mais c'est maintenant, après, comme on sait maintenant que la CEMAC est venue, maintenant, là, tu sais qu'on n'est plus un seul, maintenant, on n'est plus un Gabon seul, on est un Gabon mélangé. Donc, comme on est maintenant un Gabon mélangé, je sais maintenant qu'il y a la zone CEMAC qui dit que on ne peut pas se balader avec autant d'argent. Maintenant, donc, il y a quand même... Comme on dit quand les choses s'affrontent là, hein? Donc il y a quand même un peu l'affrontement entre les deux lois. Sachant que moi le Gabon, je suis dans la zone CEMAC et que la CEMAC autorise de se balader avec autant d'argent. Mais nationalement, on me dit que je n'ai pas le droit de me balader avec autant d'argent. Mais Zuma, lui, il peut appliquer la loi de la CEMAC. La CEMAC m'autorise de se balader avec autant d'argent parce que le Gabon fait partie de la zone CEMAC. Maintenant le Gabon fait une non. Tu es gabonais, tu n'as pas le droit. Maintenant, finalement, on va l'attraper. Et pardon, vous voyez. Ok, tu as raison, il va aller répondre au tribunal. Pardon. Moi, je pense que la première question que les autorités vont se poser, la provenance de cet argent, vous nous prouvez la provenance de cet argent. Maintenant, si le monsieur prouve que cet argent a été donné ou a été économisé, on va voir les preuves qu'il a. Et à partir de ce moment, les tribunaux ils vont prendre les décisions qui s'imposent. Mais il ne faudrait pas qu'on le condamne parce qu'il avait autant d'argent, parce que c'est une figure politique. Non, excuse-moi, on peut aussi le condamner parce qu'il avait autant d'argent, il peut aussi faire du trafic d'enfants, il peut aussi faire voilà, on peut aussi le condamner parce qu'il avait autant d'argent. Tu comprends? Oui, moi je vais le condamner parce qu'il avait autant d'argent.
Parce que c'est les personnes comme ça, quand on demandait de financer la résistance, la rébellion, de financer les enfants, ils n'ont pas financé. Donc moi, je vais aussi le condamner. Je ne vais pas faire l'hypocrisie parce qu'il avait autant d'argent. Que ce soit son argent ou pas, je vais le condamner. Est-ce que tu m'entends? La grande claire, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, on a vu le grand Guise Oubandama avec l'argent, mais sachez qu'il n'est pas le seul, hein, c'est juste que les autres... Mais c'est celui que j'ai vu, que je parle. Est-ce que je vais aller parler de ce que je n'ai pas vu? D'accord. Ben, moi, personnellement, je ne condamne... Quand on a attrapé Alianga, on a attrapé la cruche avec l'argent, on a parlé. Quand on a attrapé les gens avec le Kevazingo, on a parlé. On a toujours parlé de ce qu'on voit. Est-ce qu'on va parler de ce qu'on ne voit pas? Non, la grande claire, aujourd'hui, je prends un exemple. Si toi, aujourd'hui, on t'attrape avec une mallette d'argent, on te prend direct, on te met en prison. On doit te dire, Claire, la provenance de cet argent, vous provenez de cet argent d'où? L'argent provient de tel. Donnez-nous les preuves. Si tu donnes les preuves, ben, tu n'es pas condamnable. Ça, je peux te comprendre. Mais moi-même, où je suis là, me balader avec 2 millions d'euros, c'est faux. En tout cas, merci pour l'appel. Je vais passer parce que tu risques de me faire perdre le fil de l'actualité de mes trucs. Donc, j'étais à l'argument, bien sûr. Vous savez que j'ai fait la liste des arguments. J'étais à l'argument 4 avant de recevoir des appels. Donc, je vais d'abord vous demander de stopper les appels. Donc, l'argument 4, c'était l'argument parlementaire où les frères ont dit enlève le non-fant. Et dedans, je disais que, il ne peut pas se faire que certaines personnes vont avoir l'immunité parlementaire ou l'immunité, je ne sais pas quoi, et ne peuvent pas être touchées, et d'autres sont touchées. C'est là où je vous prends l'exemple de Bertrand Zibi, que lui aussi, il avait l'immunité parlementaire. Et pourtant, ce monsieur avait été, humilié, rabaissé, frappé et amené en prison comme un criminel. Donc, ce qu'a subi Guise Oubandama, ce n'est pas l'exception parce que tout simplement, c'est comme ça que fonctionne le voyou gouvernement que nous avons en place. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, parce que c'est comme ça que fonctionne le voyou gouvernement que nous avons en place. Et j'étais en train de vous prendre l'exemple sur Jean-Pierre. Que bien qu'en ce moment, Jean-Ping me sort par tous les trous, mais le même Jean-Ping, ses revenus ont été gelés. Et pourtant, c'est son argent. Ce n'est pas l'argent de Bongo. Ce n'est pas l'argent des Gabonais. Parce que c'est comme ça, vous les Gabonais, nous sommes, hein. Voilà, votre président de la République gabonaise, Jean-Ping, président élu. Son argent, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si on a débloqué cela, jusqu'à l'année dernière. Son argent était bloqué, gelé. Voilà. Pourquoi? Et pourtant, c'était son argent. Est-ce que c'était votre argent? Est-ce que c'était l'argent du contribuable gabonais? Qui peut me répondre à cette question-là? L'argent de Jean-Ping a gelé, bouclé, fermé par le même gouvernement, fermé par les mêmes autorités. Pourquoi c'est l'argent Zuma? Qui ça doit trop être son argent? Tous les membres de l'opposition, la plupart d'entre eux, même Yerandon, voilà pourquoi Yerandon allait faire la lèche-botte à Libongo Ndimba. Parce que son argent aussi avait été gelé. Pourquoi c'est l'argent de celui-ci qui ne doit pas être gelé? Vous comprenez que vos arguments, vous êtes parfois, vous avancez quelque chose, mais vous oubliez que d'autres personnes aussi ont vécu la même situation. Vous oubliez que d'autres personnes aussi vivent aussi la même situation. Donc, Jean-Ping, c'était son argent qu'il a travaillé en tant que président de l'Union africaine. Son argent qu'il a fait... Il a fait aussi sa magie noire. Bon, quand je parle de magie noire, pardon, excusez-moi. Mais bon, il a aussi ses placements, il a aussi ses paradis fiscaux à gauche, à droite. Mais c'est son argent, que ce soit légal ou illégal, c'était son argent qu'on l'interdit d'utiliser. Vous comprenez d'où je vais vous amener ici l'exemple? C'est son argent à lui, de Jean-Ping, qu'on l'utilise, qu'on le prive d'utilisation, hein, si je peux me permettre. Hey, bon. Oh, il a l'immunité. Vous ne pouvez pas humilier un père de famille comme ça. Ce qui me dérange, c'est la manière dont il a été arrêté. Maintenant, je vais vous prendre un truc. Le jour que moi, Claire, il faut qu'on me soigne, il faut qu'on me drogue, il faut qu'on m'enlève la tête ici. Les femmes gabonaises, les mères de famille, déshabillées en plein marché, mon bouet. Les mères de famille, déshabillées, frappées sous la pluie et mises dans les camions de police. Je n'ai pas vu votre indignation. Hein. Ces mamans avaient le droit, on avait le droit de voir leur poitrine. On avait le droit de voir chicher votre canne. Parce que les femmes gabonaises ont le droit. On a le droit d'humilier les femmes gabonaises. Mais par contre, un ancien président de l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de l'humilier parce qu'il a l'immunité parlementaire.
Nous, les mamans là, les mamans Manjango là, ils n'ont limité de rien du tout. Ils ont limité de la pauvreté. Comme m'a répondu un compatriote ici, si vous avez décidé d'être pauvre, c'est de votre faute. Voilà. Hein, il y a combien de personnes dans ma tête? Je ne sais pas. D'accord? Bien. Alors, chers tous, nous arrivons au point de la distraction. Maintenant, s'il y en a qui veulent participer, c'est plus tard après, s'il vous plaît. Au point de la distraction. Je vais vous poser la question, qui distrait qui? Qui distrait qui? À la place de qui? Vous, le peuple gabonais, on est trop concentré sur quoi? Qu'est-ce qui vous motive même à être concentré? Vous êtes concentré sur quoi? Pour la cherté? Quel est le mouvement que vous avez mis en place pour la cherté de votre pays? Quelles sont les actions que vous avez entreprises ou que vous avez mises en place pour la cherté, pour réclamer le rabais des prix? Ça, c'est des choses sérieuses, non? Qui vous distrait? Qui vient vous distraire? Bongo a le pouvoir de vous distraire? Non. C'est tout simplement tous les faits de la société de notre pays. Et ces faits méritent d'être parlés. Si pour vous, avoir des milliards, c'est anodin, que c'est son argent, que j'ai essayé de démonter un peu plus haut là-bas, je reviendrai vers la fin, que c'est normal de se balader avec autant d'argent, que c'est un ancien député, qu'il a travaillé, mais que direz-vous de personnes qui sont en prison, qui n'avaient jamais fait quoi que ce soit, donc on a accusé de vol, des personnes qui croupissent en prison aujourd'hui, que ces personnes n'ont jamais fait quoi que ce soit, donc on a accusé des crimes qui ne sont pas responsables. Pourquoi on doit toujours justifier la normale dans notre pays? En fait, tout ce qui est anormal dans notre pays est justifié. Les gens finissent par toujours par trouver des excuses là où il ne faut pas. Vous finissez par rendre Non, en fait, vous rendez tout le monde sain. Alors, ensuite, vous avez dit que c'est un complot, le PDG lui a piégé. Si c'était le PDG, on ne devait pas savoir. Ah! Ah bon? Donc si le PDG, je vais mélanger ça avec la question 8 et les étrangers qui nous volent. Il y a beaucoup des étrangers qui nous volent au Gabon. Bétion Akobesi, Liban de Semal, ces étrangers-là nous volent. Laissez qu'ils soient tranquilles, laissez les tranquilles, tranquilles. Toi qui parles ça là, tu es assis dans ton petit chikachi avec le wifi que tu as volé quelque part. Le wifi que tu vas te connecter en volant. Tu viens dire, laissez Zuba tranquille, c'est son argent. Il y a beaucoup des étrangers qui nous volent. Qui a autorisé que les étrangers soient au pouvoir? Ce n'est pas les Kizuba Dama. Ces étrangers sont arrivés là par comment? Ce n'est pas les mêmes Zuma qui ont permis que les mêmes étrangers que vous voulez que on punisse là nous volent. Attends. Qui a autorisé que l'Iman Suleman vole l'argent du pays? Zuma n'est pas opposant depuis 19 ans. C'est depuis seulement quelques temps. Qui a autorisé? Tu passes maintenant par là, il n'y a pas de souci. Bonsoir, la grande. Bonsoir, désolé pour le retard. Là, c'est plus un retard. Tu as échoué au concours. Je t'ai envoyé plusieurs fois la demande, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne passe pas. Ah, ok, je n'ai pas vu. Attends. Je t'envoie, mais. Attends, je n'ai pas vu. Attends, j'essaie de taper ton nom. Oh, yo. Je voyais une demande là, je ne voyais pas. C'est gré. Mais je repars à l'autre. Non, essaie de demander, essaie de faire, pendant que tu parles. Tu es abonné à ma page, je ne te vois pas. Bah ouais. Ça veut dire, comment, quand on sait qu'on est abonné, c'est comment? Bah tu tapes ma page et puis tu fais suivre. Tu fais suivre. Oui, c'est suivi. Ok, d'accord. Donc essaie maintenant, relance alors, je vais te voir. Alors attends. Madame, je n'arrive pas à voir mon Creator Studio. C'est qui Creator Studio? Ton créateur, voilà, là, je te vois. Ton créateur, si Dieu a fait quoi avec moi? C'est bon? Oui, là, j'ai déjà accepté. C'est bon, tu es en cours d'ajout. Ok, attends. Toi, Stéphane, Zenebadekon, vous êtes en train de distraire les Gabonais. Soyez distraits dans vos âmes.
Sœur, bonsoir la grande, comment tu vas? Ça va, désolée, quand on a des enfants, on est obligé. Oui, je vois, je vois. Donc, je ne sais pas si tu as suivi un peu l'introduction. Donc, je te menace de reprendre un peu un par un. Maintenant, si tu vois que tu peux revenir sur que c'est son argent, il a travaillé, il a été piégé, il a l'immunité parlementaire, c'est la distraction, les étrangers volent, et puis voilà. Mmh. C'est le don de Sassou Nguesso, c'est un peu les points comme ça que j'ai mis à côté pour pouvoir discuter avec les uns et les autres tout à l'heure là. Donc tu as la parole, tu peux déjà commencer. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bon, comme tout le monde, on a été choqués par ces images là. On a tous reçu plus ou moins la copie écran du décret qui parle de justement la liberté de circulation, la CEMAC. De liquidité en zone CEMAC. Donc le Gabon est donc en zone CEMAC. Si je comprends bien, l'argent peut circuler sans état d'âme. L'argent peut circuler, oui. On a dit tout résident, ok. On a dit faut justifier, ok. Je suppose que quand on parle de zone CEMAC, s'il y a un contrôle, c'est surtout en zone douanière. Donc, M. Zouba partait du Congo. Il a traversé la frontière pour rentrer dans le Gabon. Je suppose que sur la frontière, la ligne frontière entre le Congo et le Gabon, il y a quand même des douaniers et la gendarmerie de chaque État. Il a forcément eu un contrôle qui lui a donné la possibilité de rentrer au Gabon. Les douaniers congolais ont-ils contrôlé ce véhicule? Question. Comment il a fait pour justifier les fonds-là? Le même papier qu'il a donné aux douaniers congolais, il était censé les donner aux douaniers gabonais. De telle sorte qu'on n'ait pas ce genre d'image. Monsieur Zouba, puisqu'il y a beaucoup de défenseurs de Monsieur Zouba qui connaissent maintenant le droit, tout d'un coup, c'est un citoyen, même s'il a ses fonctions, il doit respecter la loi, non? Allons-y. Monsieur Zouba, quand même les zélés, on va dire qu'ils sont zélés, puisque là maintenant, vous condamnez les pauvres gendarmes au point que vous allez même pousser les maudits là à leur enlever leur emploi. Les gendarmes, on ne sait pas s'ils sont gendarmes, lambda ou douaniers. Ça, c'est déjà une question. Parce que les seuls à pouvoir ouvrir des valises, ce sont les douaniers. Quand un douanier te demande d'ouvrir tes affaires, si tu dis non, qu'est-ce qui se passe? Il t'amène à un endroit, non? Monsieur Nzouba n'a pas dit « je ne veux pas qu'on ouvre mes valises ». Monsieur Nzouba n'a pas lu. Voilà. Monsieur Zouba n'a pas lu le décret de la CEMA qui lui permet de circuler en Poutoulou avec une quantité d'argent indécente. Monsieur Zouba, qui est très protégé, le très protégé, plus protégé même que tous les Gabonais qui viennent aujourd'hui le défendre, il est censé connaître cet article de loi qu'on a pondu en 24 heures. Maintenant, vous venez maintenant nous sommer d'enregistrer ça facilement. Mais lui, quand on l'a chopé avec les valises là, il n'a pas parlé de la loi CEMAC. Pourtant, c'est une loi qui le protège. Il n'a pas parlé de ça comment. C'est aujourd'hui là, tout d'un coup, que vous savez que la loi là existe. Vous avez beaucoup cherché, hein? Quand vous circulez avec votre argent, quand vous malmène, vous ne pondez pas la loi CEMAC. Donc, la loi CEMAC, là, concerne qui exactement? Et la loi CEMAC s'arrête à quel moment par rapport au droit gabonais? Puisque vous êtes les spécialistes. Moi, je maîtrise le droit français, je ne maîtrise pas le droit gabonais. Donc, puisque vous avez ramené la loi CEMAC, ça veut dire que vous êtes au fait de la loi. Donc, vous devez venir nous instruire. La loi CEMAC s'arrête quand? La loi gabonaise, ça commence quand M. Nzouba était en sol gabonais. Les gendarmes qu'on a vus, je suppose que ce sont des gendarmes ou des pseudo-douaniers, ils étaient en zone gabonaise. La loi CEMAC continue de s'appliquer. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Parce qu'il faut, si vous voulez qu'on arrive à respecter le droit, il faut que vous nous expliquiez, en tout cas aux Gabonais, à quel moment on prend en compte la loi gabonaise, à quel moment on prend en compte la loi CEMAC.
Monsieur Zouba n'était pas un individu lambda et Monsieur Zouba n'a pas été capable d'interdire à ces gens-là d'ouvrir ses valises. S'il contestait ne serait-ce que ça, j'allais comprendre que le gars, il maîtrise la protection juridique. Il n'a même pas dit non, je ne veux pas que vous ouvrez mes valises. Non, il n'avait pas fait que non, j'ai milité parlementaire, il ne l'a pas fait. Il n'a pas parlé de tout ça. Mieux, il a menti à un agent assermenté. Il a prétendu que cette valise contenait des vêtements sales. Vous venez la ramener pour justifier n'importe quoi. C'est un notable qui ment, un notable qui a vu qu'on le filmait, que ce soit ridicule ou pas. Il connaît ses droits, non? Vous, vous connaissez maintenant plus les droits de M. Zouba que lui-même. Il avait les milliards. Il devait s'armer de tout élément légal pour, prévenir. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à dire que c'est son argent. Sur quelle base vous dites que c'est son argent? Puisque vous êtes capable de mélanger les deniers publics, l'argent de poche et le salaire de quelqu'un en une phrase. Vous avez donné beaucoup d'arguments. Au final, on ne sait même pas d'où provient, on sait d'où ça provient, mais on ne sait pas qui lui a remis ou est-ce que cet argent sort d'un compte privé à son nom. Ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le savez pas. Donc, excusez-nous de trouver ces images indécentes. Et quand on est un homme politique, quand on est un homme de cette envergure, on ne laisse pas des badauds venir expliquer ni l'explicable. On prend sa télé. On vient s'expliquer en bon citoyen. S'il ne peut pas s'expliquer, il doit avoir un avocat qui vient nous éclairer sur la nature de ces fonds. En dépit même du fait que ce sont ces fonds, en dépit même s'il arrive même à prouver que ce sont ces fonds, vous trouvez normal que ce monsieur va cacher des milliards dans un pays voisin alors que nous avons soi-disant des banques. Il paye les impôts sur ces milliards-là. Expliquez-moi. Comment il fait pour faire sortir autant d'argent? Par virement, puisque déjà même quand nous, simples Gabonais, on veut faire un virement d'un compte France à un compte Gabon ou vice-versa, nous sommes sommés déjà de justifier beaucoup de choses. Et mieux, des fois, on refuse nos virements. Moi, seulement pour sortir 3 millions d'un coup, on m'a fait chier. Il fallait que j'étale, je prenne 1 million par semaine. Que je n'ai pas l'immunité parlementaire ou pas. On est en zone CEMAC maintenant. Si on vient rajouter maintenant le Commonwealth, on va être fatigué, hein, puisqu'on est maintenant Commonwealth. Le Commonwealth, là, nous, c'est quoi la conséquence d'être dans le Commonwealth? C'est quoi? C'est juste pour faire genre, il y a la loi aussi dedans, il y a la circulation aussi des deniers. Il faut aussi nous expliquer ça. Parce que là, il y a un tamponnage entre la loi CEMAC, la loi gabonaise et maintenant le Commonwealth. Il faut nous éclairer là-dessus. Vous êtes tout le temps en train de faire la distraction. C'est vous qui faites la distraction parce que vous ne voulez pas aller loin. Vous ne voulez pas vous pousser vos législateurs et vos députés à bosser pour vous. Vous êtes exigeant quand on attrape certains voleurs et pour d'autres, vous faites maintenant les vierges effarouchées. Dans n'importe quel état, on ne peut pas attraper tous les mêmes voleurs pour les mêmes faits au même moment. Donc, excusez-nous. Excusez-nous de prendre ce qu'on nous offre. Si vous trouvez que c'est sérieux de circuler avec autant de milliards, j'espère que le jour où Madame Sylvia Bongo sera dans la même situation, vous allez fermer vos bouches. Amen. J'espère que vous allez fermer vos bouches parce qu'elle sera aussi en zone CEMAC. J'espère que vous aurez assez d'énergie et de cœur et de culot pour supporter. Puisque c'est légal, non? C'est son argent. Je ne sais pas quand il a prouvé que c'était son argent. OK, prenons acte. Mais j'espère pour vous que le jour où on va attraper Madame Sylvia Bongo ou même un Eganji, n'importe quel Gabonais qui a trempé dans des fonctions publiques avec autant d'argent, j'espère que vous aurez autant de hauteur d'esprit pour venir ramener votre loi CEMAC. Mieux, vous allez même aussi nous ramener bientôt la loi Commonwealth. À un moment donné, il faut prendre aussi en compte que les hommes politiques doivent avoir de la contenance dans les actes.
Quand on est dans un pays où il y a autant de souffrances, on ne peut pas se balader avec autant d'argent. Si c'était tellement légal, il n'aurait pas menti au moment des questions. Si c'était tellement légal, il aurait été capable de justifier au moment où on l'humiliait des fonds. Si c'était légal, il se serait pointé avec un véhicule blindé pour le transport de liquidité, comme dans tous les pays responsables. Quand on transporte de l'argent liquide, on prend des véhicules blindés. On prend de la sécurité. Mais quand on se comporte comme ça, nous avons le schéma d'un mafiosi. Surtout qu'il a menti, je te coupe la parole. Surtout qu'il a manqué, il a d'abord donné une fausse excuse de part. Donc, il avait quelque chose à cacher. Si c'était de l'argent légal et qu'il se baladait avec ça tranquillement, donc je ne vois pas en quoi il devait mentir. Le juste m'a dit non, je sors de chez mon ami, voilà, voilà, voici, voici. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il sait forcément que cet argent, ce n'est pas l'argent gagné. Honnêtement, je suis désolée, nous sommes. Imaginons qu'un chef d'entreprise, on prend l'exemple, un chef d'entreprise qui veut peut-être se rendre en Afrique, investir en Afrique pour le tout avec ses millions, ce chef d'entreprise-là va bien sûr justifier que je veux investir tel pays, voici pourquoi, voilà. Mais lui ne le fait pas. On l'emmène en prison. Tout ce que les gens vont faire, c'est de justifier que c'est un parlementaire, c'est son argent, il n'a pas le droit. Et c'est ce comportement de Gabonais qui m'agace à un moment donné. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On veut le beurre et le pain du beurre, veut le pain du beurre en même temps. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir la liberté, condamner certaines personnes et protéger d'autres personnes. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire que certaines personnes sont des vrais voleurs, d'autres personnes sont des petits voleurs. Certaines personnes ne volent pas, c'est son argent. Mais dans ce cas, lui, mon travail, son argent. Là, c'est pas le PDG qui travaille leur argent. Ils travaillent tous leur argent, parce que c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. On fait quoi finalement? On fait quoi finalement aux Gabonais? Il faudrait, à la limite, vous voyez, quand on est au niveau des frontières, puisque vous êtes tous en train de dire c'est la loi, c'est Mac, mais il faudrait donc mettre un gros panneau écrivant bien « Circulez avec autant d'argent que vous voulez, vous êtes en zone CEMAC ». Comme ça, il n'y aura pas de polémique. Vous devez être capable de voir ces panneaux-là en zone frontale et dans n'importe quelle rue qui accède à des pays de la zone CEMAC. Il faut que ce soit flagrant. Mais vous ne pouvez pas venir la ramener et maintenant venir nous sortir cette loi comme par enchantement. Moi, je ne la connais pas. Je suis aussi étonnée que ça existe. Moi, je peux dire, je ne savais pas. Mieux, le jour où Ali Bongo et n'importe quel homme qui vous sort de partout circule, j'espère que vous allez garder le contrôle. Hein. Faudrait être zen. Parce que comme vous quand Ousseni va circuler aussi, ils ont tous des passeports gabonais. J'espère que vous aurez le même cran, la même hargne pour dire que non, Ousseni se balade avec les milliards, c'est normal. Qu'il ait 36 passeports, dont le passeport gabonais, tant qu'il est en zone CEMAC avec le passeport gabonais, il aura donc le droit de circuler avec autant de milliards. Ne venez pas protester. Mais Greg, que penses-tu des personnes qui disent que non il y a beaucoup d'étrangers qui veulent au Gabon comme Akobesi et Suleiman. Donc, pourquoi on n'arrête pas ces étrangers-là? Pourquoi on fait le bruit à Guizoumandama? Toi, tu penses quoi de quoi de cette... Oui, mais bon, ça, ce sont les Gabonais qui ont des fois des esprits un peu bizarres. C'est comme si moi, je pourrais aussi leur dire, nous avons certains braqueurs en tôle. Pourquoi il y a encore des braqueurs dans la rue? Voilà, avec ce genre de comparatif à la con, on ne va jamais nulle part si ce n'est dans un trou abyssal d'incompréhension totale. Moi, je suis désolée. Dans tous les pays, même avec la plus grande organisation, on n'arrive pas à choper tout le monde. Mais quand on en chope un, tapez les, bombez les torses et dites oui, il y en a au moins qui travaillent. Mais ne le ramenez pas en disant tous les... Mais si vous pensez que ce n'est pas assez, depuis qu'on vous demande de nous donner les éléments pour les traduire, vous faites quoi? Rien du tout. Sylvia est avec vous là-bas. Elle n'a aucune immunité, non? Lui, au moins, il se targue de dire qu'il a travaillé longtemps pour le Gabon. Sylvia n'a jamais travaillé pour nous. Elle a les fondations privées, comme plein de gens ont des associations en loi 1900. Donc, pourquoi Sylvia, vous la laissez faire ce qu'elle veut? Elle se prend pour une présidente. Ça ne vous fatigue pas. Et vous venez nous prendre la tête pour quelqu'un qui est aux ordres de l'État. À un moment donné, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc, comme ils travaillent tous, vous venez dire qu'il a travaillé, c'est son argent. Bla, quand il est allé en tôle, Bla, eux tous les Agéviens ont justifié de tout l'argent touché, toutes les manigances qu'on leur reproche. Ils ont bien dit qu'ils ont travaillé pour le Gabon
et pour Ali Bongo, pour une situation bien précise pour Ali Bongo et pour le Gabon dans leur fonction. Vous, quand vous étiez en train de... Oh là là, ça a coupé, oh. Est-ce que tu peux revenir? Gloire, comment tu vas, mon petit frère? Je viens te voir, comment tu vas? Elle a mis tout le monde d'accord. Mais oui, les gens sont trop bizarres, Glenn. Les gens sont bizarres. On est bizarre ici dehors. On doit justifier tout. Tout est faisable. Tout. C'est fatigant. C'est fatigant, les amis. La grande revient. C'est fatigant. Je pense que sûrement la batterie s'est éteinte ou un truc comme ça. Non. On ne peut pas justifier de tout et de rien comme ça. Hmm? C'est comme si un jour, vous avez entendu qu'un jour, on va arrêter tous les bandits en même temps. On va arrêter tous les voleurs en même temps. Ça, c'est la même chose qui s'est passée avec le pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs, de voleurs. Vous voulez qu'on les arrête tous en même temps? On va tous dans les églises, on les arrête. Non, pourquoi on est comme ça? C'est étouffant. Moi, je ne sais pas comment les gens font ça un jour ou un coup. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je dois énerver quelques-uns. Non, qu'est-ce que j'étais même en train de dire? Tu prenais l'exemple sur les... On ne peut pas attraper tous les bandits en même temps. Voilà, et puis il y a les Agéviens. Les Agéviens ont toujours justifié de tout ce qu'ils ont pu faire par leur fonction. À ce moment-là, on ne critique donc personne, puisque c'est normal ce que vous êtes en train de dire. Donc, on ne critique personne. Moi, je dis juste, j'espère que vous aurez les grands esprits là le jour où on va choper Madame Sylvia avec les milliards. J'espère que vous allez avoir cette rigueur légale, puisque vous êtes maintenant des spécialistes du droit. Je suis impressionnée, et tant mieux si vous êtes au fait de votre droit, mais j'espère que vous aurez aussi la même réactivité quand ce sera les Bongo et l'épouse du first Ali Bongo. J'espère. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allons-y, hein? Allons-y, soyons fous. Mais moi, je suis désolée, c'est indécent. Il n'était pas à l'aise et je suis convaincue qu'il n'était pas à l'aise parce qu'il sait très bien que ce n'était pas normal, cette quantité d'argent qu'il ne pouvait pas justifier. Et comme au Gabon, c'est la marmaille, on ne saura pas ce qu'il est allé. Il a dit, quand il est allé dans les off, on ne saura pas. Bon, qui sait? Parce que ces gens-là sont capables de filer. Peut-être que c'est Sassou Nguesso qui a passé un coup de fil en disant que oui, libérez-le, c'est moi qui lui ai donné de l'argent. Ouais, mais ça, c'est encore plus grave. Les mêmes aujourd'hui qui prennent la part de ce monsieur, s'il s'avère que cet argent a été un don, et franchement, je n'espère même pas, hein, parce que rien ne nous prouve que c'est un don, ce sont les badauds de Facebook qui ont amené le nom de Sassou Nguesso. Mm-hmm. Et s'il s'avère que ce soit monsieur Sassou Nguesso qui finance une opposition gabonaise, vous avez de quoi vous inquiéter. Vous avez de quoi vous inquiéter parce que la notion d'incursion, la notion d'ingérence est grossière. Le jour où on aura un problème, ne la ramenez pas avec l'histoire de « Oh, les Congolais nous envahissent, oh, les Congolais se mêlent de quoi ?» Parce que vous avez tendance à utiliser l'ingérence quand ça vous arrange. Amen. Quand c'est pour financer Les petits cupides gabonais, là, il n'y a jamais ingérence. Mais le jour où ça va être maintenant, au niveau politique, j'espère que vous n'allez plus mettre le mot ingérence là-dedans. C'est indécent d'amener le nom de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a déjà ses problèmes dans son pays. Ce n'est pas un exemple de démocrate et vous allez chercher son argent ou cacher l'argent qui est censé rester au Gabon, au Congo. Il y a un mélange des genres très dangereux pour la démocratie gabonaise. Et ça, si vous n'êtes pas conscient de ça, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Si vous trouvez normal qu'un Gabonais avec une haute fonction va cacher autant de milliards ailleurs au lieu de faire fructifier les banques gabonaises, on a un gros problème dans ce pays. On a sérieusement un gros problème. Si ça ne vous gêne pas, protégez-vous derrière la loi CEMAC. Moi, ma question, il a la loi CEMAC pour lui, mais les lois fiscales, les lois bancaire, ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Et la responsabilité patriote, en tant que patriote, pourquoi l'argent qui est censé être un argent gabonais se retrouve en extérieur? Ça ne vous gêne pas.
À ce moment-là, ne gonflez pas le torse quand Ali Bongo prend l'argent du Gabon pour aller faire des business à l'étranger. On s'est retrouvé avec des scandales de villa en France. Ça vous a donné les maux de tête. Le jour qu'il y aura des scandales de cette ampleur au Congo, vous devriez maintenant la fermer. Parce que ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Mais avec vous, finalement, j'ai l'impression que quand c'est votre pote, votre parent, vous n'êtes pas prêt à déranger ou bouger les lignes. Par contre, vous voulez que ce soit les autres qui humilient leurs parents. Quand ce sont vos amis politiques, quand ce sont vos parents de sang, vous avez tendance à ramener la philosophie. Ou quand c'est un homme de votre province, vous avez tendance à ramener la philosophie. Ici, là, quand c'est soit Fan, soit G2, on a toujours des critiques, mais les plus féroces. Vous savez ce que les Fan ou les gens du G2 vivent? C'est voilà. Quand vous irez dans le haut Togo, vous allez dire qu'ils ne mélangent pas les ethnies. C'est ça la vérité. Ouais. Ça c'est quand on les a, quand ça vous arrange. Vous savez quand vous parlez G2O, qu'on a gonflé les chiffres, alors que vous savez bien qui gonfle les chiffres. Vous savez ce que ça fait. Mais on est obligé de supporter parce qu'il y a des irresponsables qui prennent cette province en otage. Mais quand vous allez dans le G2, mais le chômage est criant. Il y a des scandales environnementaux, sanitaires. Un chômage chronique qui n'a pas de nom. Il n'y a aucune infrastructure là-bas. Mais vous pilonnez toujours cette province. Les Fans, c'est quand vous, ça vous arrange. On prend les Fans, on gonfle, après on désamorce. Les humiliations que M. Zibier a vécues, ça là, c'était pas... Il était parlementaire. Hein? Voilà. Quand il a enlevé l'écharpe, il n'avait pas encore son immunité de retirer. Les seuls qui peuvent lui retirer l'immunité, ce sont ses pairs. Il n'y a pas eu ça. Ça n'a pas empêché que tout le monde vienne lui manquer de respect. Vous parlez d'image de M. Nzouba. Quand vous prenez les images privées de M. Nzouba, qui secoue son ventre, ses cuisses, en train de danser, ce n'est pas des meetings politiques, ce sont des groupes familiaux. Vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous respectez sa posture en tant qu'homme politique ou d'ancien président de l'Assemblée nationale ou de jeune propre quoi? Ça, l'image là, c'est parce qu'on le tape maintenant, son image est plus importante à ce moment-là. Chaque fois, nous avons eu des gens qui se sont permis de bafouer l'immunité. Mon frère Ike n'était pas encore destitué de son poste et pourtant il a des protections. On l'a chargé comme sans respect de quoi que ce soit. Ça ne vous dérangeait pas, non. Pourquoi ça vous dérange maintenant? Parce que c'est Nzouba. Quoi? Il représente quelle opposition? Quelle opposition il représente? Quelle opposition il représente? Nous avons eu des jeunes qui prônent, qui devaient donner la force à cette opposition, qui ont été malmenés ici. On n'a pas vu l'opposition. Nous avons eu des drames de Gabonais ici, là. On a vu quelle opposition s'est surgée. Nous avons eu des passerelles de faits divers et autres, j'en passe, des scandales financiers. On n'a pas vu l'opposition gonfler le torse. C'est toujours les activistes qui amènent ça sur la place. Vous dites qu'on fait le bruit, qu'on fait la distraction. Maintenant, quand nous, on ne fait pas le bruit, qu'on ne vous distrait pas, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce que vous appelez les événements non distrayants? Parce que moi, j'aime apprendre hein, et j'aime m'adapter. Apprenez-moi à être moins distraite. Mais quand on n'est pas distrait, on fait quoi exactement? On fait quoi? On doit se concentrer, on ne doit pas perdre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Quand vous n'êtes pas capable de défendre les prisonniers qu'on attrape, l'objectif, c'est quoi? Quand les prisonniers sortent et qu'ils ont un besoin d'assistance parce qu'ils sont meurtris, détruits, qu'est-ce que vous faites? Alors que ces personnes l'objectif, ont des milliards. En deux minutes, en deux jours, M. Zibier est sorti. Il vous crée encore l'espoir. L'objectif, c'est quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Si on arrête de parler, à quel moment vous nous prenez en charge pour qu'on ne s'éloigne pas des phénomènes distrayants? À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Nous sommes tous des peureux. Mais certainement pas tous dans une réflexion qui nous amène à nous surpasser. Je suis désolée. Monsieur Nzouba,
s'est très mal comporté. S'il était convaincu qu'il était protégé par la loi CEMAC, il ne devait pas être gêné autant, il ne devait pas mentir. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a dans une valise, mais il fallait dire, vous ne m'ouvrez pas ma valise parce que la CEMAC me protège de tout. De mieux, je n'ai aucun compte à vous rendre et je vous exige de couper vos téléphones et autres. Et que si vous n'êtes pas content, on va dans un commissariat ou dans la guérite d'une douane, en bonne et due forme. Et cette guérite, je vais vous présenter tous les documents qui attestent que cet argent m'appartient ou ces valises ne doivent pas être fouillées. Vous, au Gabon, quand vous voyagez, quand vous faites les courses dans le monde, que vous arrivez à la frontière gabonaise, les douaniers, est-ce qu'ils prennent vos valises et pas fouiller ça en catimini dans une pièce? C'est pas vous ouvrez vos valises comme des moins que rien. On voit tout. Les slips sales, les habits que vous avez achetés, la magouille que vous transportez, tout est sorti au vu et au su de tout le monde. Vous parlez même de quoi? Donc, c'est Monsieur Zouba qui a plus de droits et les Gabonais lambda n'en ont pas. Nous sommes tous en zone CEMAC. Même quand vous êtes au niveau de l'aéroport, ce n'est pas la zone CEMAC. Ouais. Mais comme vous avez vendu votre dignité aux chiens, vous êtes capable de renier votre propre dignité et augmenter la dignité des gens comme ça. Ils se baladent avec ces milliards, ok. C'est pas grave, mais la personne qui vit encore dans mon inbox me demandait de l'aide. Je vais vous envoyer à ce monsieur. Parce que lui, il a les milliards. Hein. Moi, je n'en ai pas. Moi, je rêve des milliards seulement. Je n'en ai pas dans le concret. La personne qui vient encore te demander l'argent, tu affiches. Non, mais c'est vrai. C'est énervant. Mon WhatsApp est affiché. C'est mon WhatsApp qui est là. Sur vous, Gabriel. Excuse-moi, je ne crie pas sur toi, je suis juste une passionnée. Mais par contre, toi, depuis que tu écris, apparemment, tu es très en phase avec tes amis. Vraiment, il ne faut même pas rester ici parce qu'on ne va pas te contenter, mon frère. Vraiment, je ne sais pas qui tu es. Mais tu sais très bien que les activistes, vous nous avez déjà taxés d'aboyeurs. Donc, on vous sert les aboiements. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais vous, ça ne vous dérange pas que vos hommes politiques vous humilient. Vous êtes plus concentrés sur les activistes qui n'ont pas le sou, hein, qui ne vous achètent pas, qui ne vous humilient pas à longueur de journaux. Vos parents souffrent devant les banques postales. Vous êtes là, vous venez gonfler les torses sur les activistes qui essayent de vous réveiller. Mais ça, c'est à votre niveau. C'est votre pays qui sombre. Moi, après avoir aboyé là, je sais que ma fille aura la meilleure instruction. Vous comprenez? Et vos enfants seront en train de pleurer les bourses. Pendant que moi, mon enfant sera en train d'aller prendre de l'instruction, vos enfants seront en train de pleurer les bourses. La différence, elle est là. Nous, ce que l'on fait, c'est du patriotisme. Hein. Ce n'est pas vous amener à prendre des risques. Chacun prend ses responsabilités comme il veut. Si ça ne vous dérange pas, gars, continuez. C'est votre pays, après tout, et c'est votre président Ali Bongo que vous aimez, non? Mais seulement ne vous plaignez pas. Parce que malheureusement, si c'était tellement rose, on ne recevrait pas dans nos inbox les pleurs des Gabonais. Si c'était tellement rose, vous alliez tous vous déconnecter des gens comme nous et aller gonfler les pages de vos amis politiques là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est même la meilleure solution. Il faut directement... Ne venez pas souffrir là. Ça vous dit, les présidents, les Bazoumba, les députés, les Bapi, soyez là-bas, vous n'allez pas être distraits. Parce que si vous venez ici, forcément, vous serez distraits et distraites. Et de toutes les façons, en tant que panafricaniste, je trouve anormal qu'il y ait ce genre de possibilité de circulation de l'argent de façon illimitée et sans contrôle. Mais quand il y aura le trafic de l'opium, de la drogue, donc la circulation va être la même parce qu'il n'y a aucune précision. On a dit tout résident. Donc, il suffira de prouver sa résidence et donc tu pourras faire rentrer de l'argent qui peut alimenter la vente d'armes, qui peut alimenter le terrorisme dans la CEMAC. C'est ce que ça veut dire. Si ça existe réellement, ce décret, c'est un décret qui est très mal fait et qui est très dangereux même pour les membres de la CEMAC. Parce que si il y a une circulation exacerbée de l'argent sans contrôle, je crains fort qu'on va à des surprises graves pour nos pays respectifs. Si ça ne vous interpelle pas, en tout cas moi, qui suis-je?
Continuez à trouver ça normal. Après tout, vos parents sont payés au lance-pierre, à la queue leu-leu, dans les établissements, en espèces, non? Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas, on vous humilie. On vous donne la monnaie de singe debout, comme des enfants. Vous ne connaissez pas les virements, vous ne connaissez plus le chèque, vous ne connaissez pas les comptes bancaires. C'est normal pour vous. Mais le pays qu'on veut changer, là, c'est enlever toutes ces pratiques-là. C'est enlever ça. Et trouver anormal ce genre de comportement. Mais comme vous, dès qu'on parle, comme ça ne vous arrange pas parce que c'est votre parent, votre pote, et je ne sais trop quoi de vous, eh bien, continuons. Mais seulement, voilà. Oubliez, vous avez le inbox de Claire, des autres là. Pas moi. Ah, moi, je réponds. Moi, je réponds. Moi, je t'ai dit la réponse qu'il y a un jeune qui me demandait qu'elle veut lancer le business. Je dis que mon problème est là-dedans où tout le monde a des problèmes, tout le monde cherche l'argent. C'est Zuma qui a 3 millions, 3 milliards. Je n'ai pas. Parce que même si ça, je pense que tu as gagné et puis je vais donner ça aux gens comme ça. Non, non, non. Chacun maintenant va être. Moi, je réserve maintenant mon argent aux prisonniers. Aux prisonniers arrêtés arbitrairement. Je l'ai déjà dit. Je réserve mon argent déjà. Je donnais plus dans mes inbox. C'est bon. Moi, mon argent, je travaille ça pour les mousquetaires et le peu qui reste, je donne ça aux prisonniers. Si tu n'as pas envie d'écouter, tu sors d'ici. Écris sur elle veut. Non, quelle mais. Quelle est-ce que tu as connecté? Oh! Laisse. Tu as écrit sur qui? Elle a créé sur toi. Mais, bien, mais la distraction, c'est ici, non? C'est la distraction, mais ils sont remplis ici. C'est ce qui est marrant. C'est la distraction, mais vous êtes remplis ici. Vous devez admirer. C'est toi qui veux l'admirer. C'est toi qui veux l'admirer. C'est toi qui as trop mal qu'elle parle fort. Non, mais je rêve, quoi. Dans tous les cas, c'est votre type. Pour moi, quoi, c'est vos parents qu'on humilie. C'est vos parents qui sont chaque jour bastonnés. Ce sont vos parents qu'on tue. Ça ne vous fait absolument rien. Ils sont en train de préparer une énième marmaille en 2023. Ça ne vous dérange pas. Comme c'est l'argent qui devait permettre à vous acheter vos t-shirts et vous... Non, 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 tu as oublié. Attends, tu as oublié. C'est l'argent de la campagne. Sassou Nguesso a donné le don pour faire la campagne présidentielle. Je ne vois pas comment M. Sassou peut torpiller son petit-fils, puisqu'il y en a beaucoup qui voient en lui un espoir. Je ne vois pas, je ne comprendrais pas. Et même si, dans un rêve fou, il aimerait emmerder M. Ali Bongo, c'est d'une indécence d'accepter un tel argent, parce que c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. Et en ce moment, il y a maintenant plein de Gabonais là-bas, politiquement installés, qui pensent que la solution va venir de là-bas. Mais vous êtes incroyables. Vous êtes en train de mettre du discrédit sur les Océanies, les gens qui sont partis se réfugier au Rwanda. Aujourd'hui, vous ouvrez la manne congolaise. Quand il y en a qui vont vous dépasser là-bas, vous allez venir dire quoi encore? Vous n'avez pas déjà été traumatisé par les étrangers. Hein? Moi, je ne sais pas. Vous avez tous dit que ces Gabonais-là, il y a des Gabonais riches. Mais les Gabonais riches font quoi à l'extérieur? Les Gabonais riches, pourquoi ils gardent leur argent à l'extérieur? Attends, vous voulez que je mette monsieur... Il y a personne qui veut l'appeler, vous appelez directement le numéro qui est sur le truc. Vous voulez qu'on traite M. Zuba avec égard. Qui a traité M. Ping avec égard? Qui? Parce que lui aussi peut dire, c'est mon argent que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Hein? Mon compte s'est rempli. Lui, je ne sais pas s'il a les milliards. Mais en tout cas, tout le monde dit qu'il a le pognon. Attends. On m'envoie un lien que Zuba, ça passe, il est en explication. Hein. Attends, je vais regarder. M'envoyer un lien. Attends, je regarde avec toi là. Je vais voir. Ça ne passe pas. Le lien que tu m'envoies ne passe pas. Attends, je vais voir ici. Attendez. Alors, il va nous expliquer quoi? OK. Explication, je vois. Ok, c'est passé. 3 minutes. La République du Congo à bord d'un véhicule de marque Mitsubishi, modèle Pajero V6,
immatriculée CL032A de couleur grise a fait l'objet d'un contrôle de routine à la frontière Kabbalah par les agents des douanes. Ah. Interrogé par ces derniers sur le contenu des trois valises, il a déclaré qu'il s'agissait des effets personnels de son épouse. Stop. Écoutez, vous avez compris la déclaration. Sa propre déclaration que c'était les effets personnels de son épouse. On y va. Il a opposé une fin de non-recevoir. Cette attitude a éveillé les soupçons des agents des douanes et ils saisissent les gendarmes de l'économie afin qu'ils effectuent une fouille complète du véhicule. Arrivé au poste de gendarmerie de l'économie à 17h, il a réitéré les mêmes déclarations puis a refusé de nouveau d'ouvrir ses valises. Les gendarmes de faction ont été contraints de le faire eux-mêmes pour découvrir qu'il s'agissait des devises d'un montant de 1 milliard 190 millions de francs CFA. Au terme de l'article 53 du règlement numéro 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018, portant réglementation d'échange dans la zone CEMAC, je cite, les voyageurs résidents et non résidents se rendant d'un pays membre de la BEAC, Cameroun, Congo, Guinée équatoriale, RCA et Tchad, à l'autre, peuvent emporter avec eux un montant illimité de billets et pièces de la CEMAC. Fin de citation. Ils sont tout de même tenus de déclarer en douane les devises, titres ou valeurs d'un montant supérieur à 1 million de francs CFA. Pour avoir refusé de déclarer les 10 fonds et pour n'avoir pas pu justifier leur provenance, un procès verbal de détention irrégulière de fonds, infraction prévue par l'article 55 du dit règlement et réprimée par l'article 470 du Code des douanes, a été dûment établi par les services compétents de la douane et les 10 fonds ont été confisqués. Ce dimanche 18 septembre 2022, conformément aux dispositions suscitées, les fonds confisqués ont été reversés au trésor public par les services de la douane sous le contrôle du parquet de la République. Néanmoins, sur la base du procès-verbal d'infraction établi par les services de la douane et qui a été transmis au parquet de la République, une enquête sera ouverte sur la base de ce procès-verbal afin de pouvoir déterminer l'origine et l'usage prévu de ces fonds. Je vous remercie. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, là. Tu as vu? Donc, quand on parlait fort, là, on délivrait quoi? Depuis hier, on parlait le français cadeau, quoi. Vous êtes venus avec la CEMAC, là, maintenant, c'est quoi? Le droit gabonais prime, non? C'est nous. C'est nous qui avons créé les lois, là. Monsieur Nzouba ne connaissait pas les lois, là. Il sort de l'Assemblée nationale, non? C'est quoi? Ce sont les activistes qui ont parlé. Donc, quand on parlait, là, c'était indécent, hein? Donc, il ne connaissait pas les lois, là. C'est pas, il a menti, effrontément. Et en plus, il n'a pas déclaré qu'il faut déclarer à partir de 1 million. Tu sais que tu transformes plus de 1 million. Pourquoi tu ne fais pas la déclaration? Et tu refuses. Tu t'opposes. Et il a menti. Et il a menti deux fois. Oh, ce sont les abyssales. Oh, ce sont les affaires de ma femme. N'importe quoi. Parlez encore. Madame du Gabon, on va vous prendre ici. Ce sont les lois de leurs députés, hein. Parle encore. La loi, là, c'est sur les députés gabonais. C'est pas les députés de la résistance ou les aboyeurs de Facebook. Ce sont les lois du Gabon. Pas te contester là-bas. C'est pas la bouche. Voilà. Hey. Ah, merci Seigneur. Parce que vous, c'est toujours comme ça sur nous. C'est une abonnée qui vient de m'envoyer le truc là. Donc, on est en train de parler. Ouais. La déclaration à côté. L'argent était confisqué. Si c'était son argent, pourquoi c'est confisqué? Il n'a pas pu justifier. Vous avez même amené le nom de Sassou Nguesso pour donner les vertiges aux gens.
Pourquoi il n'a plus justifié? Pourquoi il n'a pas travaillé longtemps? Et puis, si c'est pour Sassou Nguesso, pourquoi Sassou Nguesso ne confirme pas avec des preuves de traçabilité que c'est son argent? C'est parce qu'il n'a pas envie d'avoir affaire aux activistes congolais. Oui, parce qu'il va devoir expliquer pourquoi il fait sortir l'argent du Congo. Prenons l'exemple, la France. Les présidents français viennent souvent en Afrique pour aller chercher l'argent pour leur campagne. Il y a des justifications, ils ne les arrêtent pas. Mais si Sassou Nguesso a fait la même chose à Zouba, donc ce n'est pas illégal. Donc il doit seulement appeler que non, c'est moi. Oui, non. Parce que même le fait qu'il est parti en Côte d'Ivoire pour prendre l'argent, même qu'il vient souvent en Afrique, mais c'est légal. On voit bien que c'est légal. Ça, c'est normal. Mais si toi, fais quelque chose de légal, tu te balades rester dans les valises, en voie terrestre, et tu refuses de déclarer, tu te refuses qu'on regarde, papa, on va danser la semaine ensemble. Vraiment, la Zebra qui vient de t'envoyer ça, merci Zebra. Vous voyez, c'est la bouche. J'ai vu un Africain, il parle un peu de la politique sur TikTok, il a dit que c'est Amazon qui a envoyé Zuma le testo depuis le Congo en disant que vous récupérez votre colis au Congo. Parce que c'est le testo qu'Amazon a envoyé Zuma. Vous voyez les choses comme ça. Vous fatiguez les gens, vous pouvez rendre les gens malades sur les réseaux sociaux. Vous voulez que les Gabonais travaillent. Maintenant que vos douaniers travaillent un peu, vous faites maintenant les... Oh, il y a la loi, c'est Mac. Vous êtes toujours dans l'invention de la marmaille. Voilà la loi gabonaise. Donc, il y a aussi la loi gabonaise oh, qui dit que... Sassou, Sassou m'a donné. Oh, c'est l'argent qu'il a travaillé. Vous étiez quand il a dit ça? Non. Mon Dieu. Vous prenez les risques hein, à prendre la part de quelqu'un qui ne vous connaît même pas. Non, la gamme. Gréta. Je suis députée ou ex-députée. Claire Newman. Je me déplace, je reviens de la Côte d'Ivoire avec mes malaises de 10 milliards de francs CFA. La douane m'arrête. Je connais la loi. La loi que mes gens ont votée. Je connais la loi CEMAD, dont je suis contributeur de cette loi. Et je suis incapable. Je panique. Mais franchement, avec dignité, je vais dire, vous m'arrêtez pourquoi? Oui, monsieur, vous me valez. Déjà, un, je fais sortir que j'ai l'immunité parlementaire. Vous ne pouvez pas me toucher parce que j'ai l'unité parlementaire. Et puis, monsieur, ouvrez vos valises. Non, comme tu as bien expliqué tout à l'heure là. Mais monsieur commence à paniquer. Oh, oh non, c'est les affaires de ma femme. Oh non, ce sont les habits. Oh, 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 oh. Maintenant, les gens qui étaient avec lui là-bas au Congo, parce que là, ce n'est pas lui qui a dit ça. C'est les gens qui étaient avec lui au Congo qui sont venus dire que c'est Sassou Nguesso. J'ai quand même dit, mais t'as clair, j'ai toute la norme. C'est l'argent de Sassou Nguesso, la personne qui était avec lui au Congo, qui était assis quand Sassou Nguesso allait retirer l'argent dans les tables de Congolais pour donner à celui-là. Mais pourquoi ils ont dit 1 milliard? Pourquoi on dit 3 milliards? Maintenant, je ne comprends plus le montant exact. En tout cas, c'est une affaire de milliards. Donc, les milliards, ça monte à la tête. Je n'ai pas dormi cette nuit à cause de ces valises. J'ai failli devenir folle. Hé, hey, Soraya! Si toi, tu deviens folle, donc tu imagines moi-même là. Quand j'imagine que là, je suis en train de chercher un peu l'argent pour aller débousseiller les écoles dans les villages, pour aller mettre un peu la peinture dans les écoles et arranger les bars. Mais quand j'entends que tu as des milliards, moi, je me pose un petit 5 millions. Un petit 5 millions, Seigneur, avec mes bénévoles qui sont là-bas, on achète un débousseilleur pour la rentrée scolaire. Mais quelqu'un a des milliards. Il n'y a pas quelqu'un pour m'envoyer 5 millions, là. Non, en moi, je suis il a stressé, comme a dit le monsieur la Terence Mengue. Il a stressé, mais il a stressé comme un commun gabonais. Il a stressé comme un pekno gabonais. Parce qu'une autorité ne stresse pas. Une autorité doit avoir le culot. Le culot auquel ils nous ont habitués. Oh là là. Le culot auquel ils nous ont habitués. Moi, je ne comprends pas. Il va te stresser. Moi, comment? Il m'a arrêté à la douane. J'ai revenu de Dubaï. Guillaume m'a arrêté à la douane. J'ai revenu de Dubaï. Tu sais qu'à Dubaï, la bonne achète, j'avais acheté un faux LV. J'arrive, il me voit avec mon aide là, pa. La douane m'arrête, la complication de ça. Et j'avais mis dans le sac, j'ai fait l'erreur, j'ai mis dans le sac, au lieu de porter. Quand la douane pour moi parler à tout le monde, parce qu'il le coffre est coupé, la mec non, avec l'unité, même toi-même, il ouvre la valise. Vous pouvez justifier le sac, pardon, ça c'est moi ça que moi je reviens, c'est ça qui est de la faute. Vous avez la facture, dit que ben oui, ma facture, si vous voulez, en France, m'envoyez votre mail, je vous envoie la facture. Bien sûr. Le sac là, j'ai pris ça à Dubaï. Il m'a dit, est-ce que vous avez comme ils ont les certificats, les sacs là. Il dit que monsieur, vous m'envoyez votre mail, je vous envoie toutes les informations. Ma chérie, je n'ai pas paniqué. Mais la fille qui est venue derrière moi, ma copine Mayotte est même là. La fille qui était derrière moi, elle avait deux sacs de boutons. On l'a arrêtée. Elle a payé. La main, c'est la facture de la main devant moi. Elle me regarde, elle tient le papier.
faut savoir dire des choses avec dignité. Du cul, c'est ça privé de la France. J'ai des factures, vous m'envoyez votre mail. Ils m'ont laissé, puis comme on sait, c'est un peu, tu vois, je suis en jouet là, tu vois, non? Je suis en jouet, tout ça, j'ai souri. Ils m'ont laissé passer. Mais regarde les députés. Toi, tu penses que la police va m'arrêter, moi, je vais avoir peur. Mon ami, je te montre même comment je suis la reine de la peur. Donc, vraiment, les amis de M. Ndzouba, je suis désolée pour vous, mais ce sont les autorités gabonaises. À quoi c'est un trésor public? Voilà. Voilà, cet argent, malheureusement, s'il est en sol gabonais, il y a les impôts dedans. Mais M. Ndzouba peut faire aller cacher ça au Congo, où les Congolais vont manger cet argent sous toutes les formes possibles, de façon légale. Donc, vous voyez bien que vous faites le bruit. Mais c'est comme vous dépendez quelqu'un qui vous permet de ne pas participer, en tout cas qui ne participe pas sainement à la vie de la cité. Vous préférez qu'il aille thésauriser l'argent dehors. Mais puisque c'est comme ça, non, prenez votre argent, partez seulement au Cameroun là. Yes. Allez ouvrir vos comptes au Cameroun. Puisque vous estimez que c'est normal que l'argent du Gabon reste en extérieur, partez tous ouvrir les comptes en extérieur. Comme ça, vous allez voir que ce que le Gabon va devenir. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu as mis au nez comme ça? J'ai faim, c'est tout. Tu as faim? Bon, on va tellement haut. Moi, je n'ai pas de rancœur sur ce monsieur, mais j'estime que quand on malmène les Gabonais pour des histoires de circulation de liquidités ou d'argent, il n'y a pas de sentiment. Ils ne nous permettent pas, même quand tu veux prendre ton argent, tu vas à ta banque, tu as 3 millions. Elle a rien, elle a mis le papier au nez, elle a les choses bizarres, celle-là. Elle met le papier. Arrête le papier au nez, ça fait bizarre. C'est ma blessure. Montre. Montre-moi. Viens montrer, va montrer. Montre-moi la blessure, là. Papa, faut que je le garde pour que ça guérisse. Montre un peu ça. Montre, tu t'es blessé avec quoi? C'est à faute de gratter. Oh, à faute de gratter. T'es vrai qu'on dit pas à faute de gratter. Moi, pareil. Franchement. Regarde. Vous qui aimez Ndzouba, continuez à aller discuter maintenant l'argent. Si tu comprends les choses du Gabon, c'est qu'on t'a mal expliqué. Non, si tu comprends les choses du Gabon, c'est que tu n'es plus vivant. Voilà, les vivants ne peuvent pas comprendre les choses du Gabon, c'est que les morts. Il n'y a que les morts pour comprendre les choses du Gabon. J'ai compris qu'au Gabon, l'impunité est telle que c'est devenu un principe. Et il y a des gens qui, comme il y en a qui le font et qui ne sont pas attrapés, donc laissons tout le monde faire. Mais à ce moment-là, vous ne voulez pas d'un pays démocratique, vous voulez d'une anarchie. Mais il faut assumer donc l'anarchie. Parce que quand vous venez avec des arguments, oui, il y a d'autres voleurs, donc on doit laisser les voleurs qu'on attrape. Ça veut dire que vous ne prenez pas la démocratie, vous prenez l'anarchie. À ce moment-là, on discute quoi ici tous les jours? À ce moment-là, vous voulez quoi? En tout cas, la grande, comme on a presque tout dit, donc j'avais besoin de faire cette deuxième partie très calmement. Et excusez-moi si j'ai crié, très cher auditeur de... Oh, il n'y a pas d'excuse en plus si on veut. Mais en même temps, quand vous prenez le risque d'être dans le live d'une personne qui dit « Tata dérangé », vous pensez que vous allez avoir quel discours? Les discours feutrés, pour savoir ce que vous voulez. Quand vous prenez le risque de venir dans un live où il y a Claire Newman qui se dit « Tata dérangé », eh bien, il y a des cris. Donc, vraiment, excusez-moi d'avoir crié, mais c'est parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Je ne criais pas sur vous, je ne vous connais pas. Je ne vous vois pas, vous êtes juste une ligne d'écriture. Donc, quand quelqu'un vient écrire, tu es sur nous, pourquoi est-ce qu'on est tes enfants? C'est vraiment d'un ridicule. Madame ou monsieur, je ne vous vois pas, vous êtes une ligne d'écriture. Donc, je n'ai pas l'habitude de crier sur des individus en face de moi. Je ne crie que devant un écran. Donc, sincèrement, souffrez. Surtout quand vous prenez le risque d'être dans un profil comme celui de Claire Newman. Pourquoi ils sont habitués? Celui qui ne veut pas entendre les cris, libère, c'est tout. C'est pas obligé. En tout cas, ok, ma belle, merci beaucoup. Merci pour le live de ce soir. Merci pour l'explication. J'espère que ce soir, chacun pourra faire son point de vue. Voilà, c'est vrai qu'on est libre de donner notre point de vue librement. Voilà, on est, c'est ça, c'est la démocratie. Cette fausse démocratie voudrait que chacun puisse avoir des positions distinctes. En tout cas, c'est bien. Pour ma part, je ne saurais pas. Il faut conclure qu'ils ont dit qu'il n'a pas pu justifier l'argent. Donc, fin du game.
Il n'a pas pu justifier. Donc, notre sortie était légitime. Il n'a pas justifié. Il aurait dû justifier ça quand on l'a chopé. Il n'a pas justifié. Il a eu le temps de justifier. Il ne l'a pas fait. Donc, fin du game. Débat clos. Voilà. C'est tout. Exact. Amen. Merci. Elle a conclu. Il n'a pas pu justifier. Fin du game. Donc, j'ai oublié de vous faire une petite publicité là. Désolée. Hein. Donc, je porte ici une magnifique robe d'une compatriote de la boutique MMB, voilà, c'est une jeune compatriote gabonaise. Vous voyez que la robe là vous intéresse, vous pouvez me contacter tout simplement. C'est vraiment une belle robe. Après, tu peux mettre la ceinture là, comme moi, je vais pas mettre les ceintures qui viennent avec les robes là. J'aime toujours avoir une ceinture spéciale. Vous voyez, vous pouvez après mettre une belle ceinture comme ça. Elle est vraiment bien pour l'été, mais même si l'été est fini au Gabon, voilà, c'est vraiment une belle robe. Ça arrive jusqu'en bas là-bas. Moi, j'aime bien. Voilà, donc je vais la publier après, aujourd'hui ou demain ou dans les jours à venir. Pour les personnes qui voudraient contacter la compatriote, acheter cette magnifique robe, vous pouvez me contacter en inbox tout simplement. Voilà, même si ce ne sont pas encore, l'été est fini bientôt. Hein? Voilà. OK, merci à tous d'avoir été là. Tom Sawyer, qui peut encore s'appeler comme ça, ce n'est pas le dessin animé. J'adorais, mais lui, c'était un dilettant. Il n'aimait pas l'école, donc celui-là, je n'aime pas trop. Les gens qui n'aiment pas l'école, Tom Sawyer, pas monsieur. Voilà. Merci. N'oubliez pas de faire un don pour Akamayor. N'oubliez pas de faire un don pour Bétan Zibi. Voilà, vous avez la publication plus bas. Vous pouvez contacter Balak. Vous faites le don pour Bétan Zibi, pour soutenir Bétan Zibi. Vous faites aussi un petit don là-bas pour notre projet qui va bientôt mettre dans la rénovation des écoles, les balayages des écoles et tout ça là. Donc, si faites aussi un don pour SOS Prisonniers, pardon. Voilà, mais il faut aussi les liens aussi pour SOS Prisonniers aussi. Voilà. Oh, ils sont partout, non? Nous, on n'a pas de milliards comme Zuba. On se débrouille ici nous-mêmes. Donc, n'oubliez pas. Aidons-nous nous-mêmes. Faites le don à le grand Bétan Zibi. Faites le don à SOS Prisonniers. Et n'oubliez pas aussi pour notre ONG pour la rénovation d'écoles. Faites le don. C'est tout simplement sur akamayon.org. Merci d'avoir été nombreux ce soir et on se donne rendez-vous dans la semaine. D'ici peu, portez-vous bien. Bon dimanche à tous et surtout, bon début de semaine dans la paix du Christ. Amen. Merci. Bye-bye. Pardon. Tu veux s'en arrêter? On dit après, non, du coup. Tu veux maintenant prendre les ouailles d'Emmanuel. Je ne suis pas d'accord. Hein. Je viens pas les âmes égarées. Je les amène ici. Bisous, à bientôt les amis. Bisous.